أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce sujet qui est d'une importance capitale dans notre religion. Il s'agit du troisième pilier de l'islam. D'habitude, c'est un cours que je donne sur pratiquement 6 heures. Donc là, je vais essayer de condenser pour aller vraiment à l'essentiel, pour aborder notamment le thème de comment, la méthode, comment je paye ma zakat en tant que salarié. En tant que salarié ou quelqu'un qui a une profession libérale, comment je peux faire pour payer et m'acquitter correctement de ma zakat, à qui donner la zakat aussi. Donc, d'abord, je vais commencer par parler de la zakat en tant que pilier de l'islam, l'importance de la zakat, de la récompense que Dieu donne à celui qui respecte cette obligation, de la punition qui est réservée à celui qui néglige cette obligation, les conditions des biens soumis à la zakat, la méthodologie pour une méthode pratique pour payer sa zakat et à qui donner la zakat, les ayants droit de la zakat. Bien sûr, ça, je vais aller rapidement, en quelque sorte, vite, pour traiter chaque élément. Pour introduire, dans la religion, dans la conception musulmane, l'homme n'est qu'un gestionnaire. Le vrai propriétaire est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah le vrai propriétaire de nos biens. Même parfois dans le Coran, Allah nous dit dépensez de ce que Allah vous a donné, dépensez de ce que vous possédez, mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala est le vrai propriétaire et le gestionnaire doit respecter la volonté du propriétaire qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit croyez en Allah et en son prophète, donnez au aumône une partie des biens dont il a fait de vous des dépositaires. Nous ne sommes que des gestionnaires, dépositaires des biens qu'Allah nous a donnés. Car ceux d'entre vous qui ont la foi et qui font l'aumône auront une magnifique récompense. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqou mimma ja'alakum mustakhlafin fihi. Mustakhlafin, nous ne sommes que des gestionnaires. Et donc, on doit le comprendre. On doit comprendre que nous sommes que des gestionnaires. Ça, c'est dans notre vision, dans notre rapport avec l'argent, c'est fondamental. Celui qui croit qu'il est lui, comme Aaron, le vrai propriétaire, j'ai gagné ça grâce à mes compétences, à ma capacité. Celui qui voit l'argent comme un bienfait de Dieu, et ce bienfait de Dieu nécessite une reconnaissance, nécessite de sa part d'appliquer, de pratiquer ce que Dieu lui demande, ben celui-là, il a bien compris sa mission. L'amour excessif de l'argent et l'avarice sont deux grandes maladies qui touchent le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle, l'bukhl. Il nous demande même dans des du'a de demander à Dieu de nous préserver de l'bukhl. L'bukhl, c'est l'avarice. Donc, la relation logique d'un musulman avec l'argent ou avec le matériel d'une manière générale, c'est de l'utiliser. D'en profiter, certes, mais de ne pas se laisser devenir l'esclave de l'argent, l'esclave du matériel. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Heureux les gens qui savent se prémunir contre leur propre avarice. »« وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » Parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. L'amour de l'argent, elle est en nous. « وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ » Le shadid, l'homme aime l'argent. Le khayr, ici dans ce verset, il s'agit des biens matériels de ce bas monde. L'homme aime ces biens-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un effort pour pouvoir se détacher. L'argent est dans la main et il ne pénètre jamais dans le cœur.
L'argent, je l'utilise et je ne le laisse pas m'utiliser. La dunya, c'est moi qui l'utilise et je ne laisse pas la dunya rentrer dans mon cœur. Donc l'argent, je le manipule et je ne le laisse pas me manipuler. Cette vision, elle est fondamentale. Elle est vraiment fondamentale dans la relation du musulman avec l'argent. Donc, la première chose, c'est de parler de la zakat en tant que pilier de l'islam. Comme vous le savez, tout le monde sait que le hadith de Jibril, que vous connaissez certainement tous par cœur, sinon j'espère que vous allez l'apprendre par cœur en arabe et en français, ce hadith dans lequel l'ange Gabriel vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme humaine et il essaye de lui apprendre les cinq piliers de l'islam, les six piliers de la foi et le sens de l'excellence. Et donc, quand il parle des cinq piliers de l'islam, de la pratique musulmane, le troisième pilier, après l'attestation de la foi, la prière, c'est de s'acquitter de sa zakat. La zakat, le mot zakat, c'est un mot arabe qui englobe plusieurs choses à la fois. Donc il signifie d'abord purification, zakka, zakka nafsahu, il a purifié son âme. Donc le sens de la purification. Quand tu donnes la zakat de ton argent, tu es en train de le rendre propre, d'enlever le droit des pauvres. Donc, zakat aussi, c'est le sens de la croissance, d'accord ? La croissance, c'est un sens qui existe dans le mot zakat. C'est-à-dire que si tu donnes, ne crois pas que ça diminue, bien au contraire. Et le sens de la bénédiction. وَيُزَكِّهِمْ comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour nous une bénédiction. Dans la science islamique, la zakat est un terme utilisé pour désigner, bien sûr, le troisième pilier de la pratique musulmane. C'est l'obligation financière. La prière, c'est une obligation du corps, de l'esprit. Là, la zakat, c'est une obligation financière. C'est l'argent ou les biens que je possède, je dois en donner. Donc, c'est une obligation financière que chaque musulman ayant la possibilité, les moyens, il doit l'observer. Donc, la zakat est la part déterminée. Donc, c'est une part déterminée dans le bien revenant de droit. La zakat, c'est pas l'aumône, la sadaqa. Parce que la zakat, elle est vraiment obligatoire. C'est un droit. Ton argent, il y a une partie de ton argent, c'est le droit du pauvre. Quand tu donnes cette zakat, tu n'es pas en train de lui donner de ton propre chef. Tu es en train de lui donner son droit. C'est à lui, ce n'est pas à toi. C'est-à-dire que le propriétaire qui est Allah subhanahu wa ta'ala lui consacre cette partie. C'est à lui. C'est son droit, tu dois lui donner obligatoirement. Donc revenons de droit aux ayants droit. D'accord ? Il vaut mieux dire les ayants droit et non pas les nécessiteux ici. Je corrigerai Inch'Allah. C'est pour cette raison qu'il est préférable de la traduire par taxe ou impôt. C'est plus proche de la zakat. Sauf que le mot taxe ou le mot impôt, il est un peu... Il n'y a pas de spiritualité dedans. D'accord ? C'est pour ça qu'on rajoute impôt, de purification, et il n'y a pas aussi le sens social. L'utilisation de cette zakat, elle est sociale. Donc, on peut le traduire par impôt ou taxe purificatrice sociale. Parce qu'il y a énormément de sens dans le mot zakat. On ne peut pas la traduire uniquement par un seul terme. Donc, sachez que dans le Coran, le terme sadaqa ou le terme zakat sont utilisés indifféremment. Parfois, Allah parle de la sadaqa dans le Coran, alors qu'il désigne la zakat obligatoire. Et parfois, il parle de la zakat alors qu'il est en train de parler de la... Et là, c'est les savants ou les exégètes du Coran qui vont nous montrer la valeur de chaque terme dans le Coran, bien sûr. On va le voir ensemble tout à l'heure. Vous allez voir. Donc, d'ailleurs, on va le voir tout de suite. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le verset qui a rendu la zakat obligatoire, c'est celui que vous avez ici. Allah nous dit, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك وإن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ, c'est un ordre. L'ordre dans le Coran est, d'une manière générale, signifie l'obligation. D'accord ? Sauf en cas où on trouve un élément qui va le sortir du cadre de l'obligation pour le rendre facultatif. Donc là, khudh, c'est un ordre. Khudh min amwalihim, prélève une aumône. Là, vous avez le mot aumône, sadaqa. Mais qui va nous dire
que ici il parle de la zakat obligatoire, parce que c'est l'ordre justement. خذ من أموالهم, c'est un ordre. Oui. C'est pour moi. Très bien. Donc prélève une sadaqa, prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les bénir. Donc l'ordre, il est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui reçoit cet ordre-là. Mais chaque musulman est concerné par cet ordre. Prie pour eux afin que leurs âmes retrouvent leur quiétude. Allah est audient et omniscient. Donc, et pour marquer l'importance de la zakat, on la trouve citée dans le Coran énormément de fois. Elle est liée à la prière, elle est liée à la salat. Et chacun de nous connaît l'importance de la salat. Puisque Allah lie la salat à la zakat, à énormément d'endroits dans le Coran, cela nous montre l'importance de la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il nous dit dans sourate Al-Bayyinah, que vous connaissez tous, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوتُوا الزَّكَاةَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوتُوا الزَّكَاةَ. Pourtant, que leur a-t-on ordonné si ce n'est de vouer exclusivement au culte d'Allah, donc l'intention, d'accomplir la salat et de s'acquitter de la zakat. L'islam a codifié la zakat. Toutes les règles de la zakat sont codifiées dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas comme les autres religions où la loi a laissé une part de responsabilité aux rabbins ou aux prêtres, aux évêques pour gérer cette... Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui-même et son prophète sallallahu alayhi wa sallam codifier la zakat. Donc la zakat, elle est codifiée dans le Coran et dans la sunna. À qui donner la zakat? C'est marqué dans le Coran quelles sont les catégories des personnes à qui je peux donner la zakat. Quel pourcentage de la zakat? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les pourcentages. Ce n'est pas les imams qui fixent les pourcentages, ni les savants. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a fixé les pourcentages. À partir de quel moment je dois donner la zakat? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé pour chaque type de bien. Donc vous voyez que la zakat, elle est codifiée dès le début. On a peu de marge de manœuvre par rapport à la zakat. Certes, il y a des choses nouvelles qui arrivent, il y a des changements, il y a des choses qu'il faut prendre en considération, mais l'essentiel de la zakat a été fixé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. D'accord? Donc, quelles sont les finalités de la zakat? Vous avez la première finalité, c'est une finalité spirituelle. Zakat, c'est d'abord un acte spirituel, même si ça concerne la finance, ça concerne l'argent, mais c'est essentiellement un acte spirituel. Donc, en incitant le musulman de se détacher de l'amour de l'argent et les biens de ce bas monde. Donc, c'est d'abord un acte du cœur, parce que l'amour de l'argent, l'amour des biens de ce bas monde, c'est une grande maladie qui peut tuer le cœur. D'abord, donc, quand un musulman est capable de prendre une partie de ce qu'il possède, de la sortir et de la donner aux ayants droit, c'est un geste spirituel très très important. Une finalité sociale, ça favorise la fraternité. La zakat, quand un riche pense à son frère pauvre, qui vient le voir et qui lui donne son droit, donc ça favorise, ça enlève la haine, ça enlève la rancœur que a le pauvre peut-être vis-à-vis du riche. Et ça rend le riche plus modeste, plus accessible, d'accord, moins fier de ce qu'il possède. Donc il y a une finalité sociale. Et après, il y a une finalité économique. La zakat, c'est le meilleur moyen pour que l'économie fonctionne et que l'argent circule entre les différentes couches de la société. Vous avez des gens riches, très riches, vous avez des gens pauvres, ça on ne peut pas l'enlever. Mais ce qui est obligatoire quand on a ces classes, en quelque sorte, c'est que les gens qui sont riches doivent partager, doivent donner aux pauvres. Donc, une finalité économique, parce que celui qui est riche et qui a de l'argent thésaurisé quelque part, s'il ne l'utilise pas, il est dans l'obligation de donner zakat. D'accord? S'il ne fructifie pas son argent, il est dans l'obligation de donner la zakat. Donc, son argent, en quelque sorte, va diminuer d'année en année. Et il va faire en sorte que
il va le fructifier pour que l'argent ne diminue pas. Donc la zakat va l'inciter à donner de son argent. Et la zakat va faire circuler l'argent des riches vers les pauvres, donc va mobiliser l'économie. Donc voilà comment la zakat, c'est vraiment, vraiment le contraire de riba. S'il y a deux modèles d'économie, vous avez deux modèles d'économie. Le modèle musulman, qui est le modèle de la zakat, basé sur le partage, et le modèle de riba, de l'usure, qui est basé sur enrichir le riche et appauvrir le pauvre. Riba, c'est exactement ça. Riba, c'est... Qu'est-ce qu'il fait riba ? Il prend l'argent de chez les pauvres pour le faire entasser, le thésauriser chez les riches. Toujours comme ça. Parce que l'argent produit l'argent. Le modèle de riba, de l'usure, l'argent produit l'argent. Le riche devient toujours plus riche. Parce que son argent lui rapporte de l'argent. Il donne, il prête son argent à condition qu'on lui rembourse plus. Et alors que zakat, ce n'est pas du tout ce modèle-là, c'est un partage. Donc c'est deux modèles qui sont vraiment opposés l'un à l'autre. Actuellement, dans certains pays musulmans, les autorités ne s'occupent plus de la zakat. Personne ne vient te dire « donne la zakat ». D'accord ? Les imams vont vous inciter, vont faire un khutbah, vont faire des exhortations aux musulmans « donnez votre zakat, c'est obligatoire, c'est important ». Mais personne ne vient te dire combien tu as sur le compte, combien t'as. Il fait le calcul à ta place pour donner la zakat. Ça n'existe plus. Ça existait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Notamment les gens qui avaient des bétails, qui avaient des moutons, des chèvres et des chameaux et des vaches, on venait, et même la récolte agricole, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même les califes envoyaient des émissaires, des fonctionnaires de l'État qui venaient prélever la zakat, faire le calcul et prélever la zakat à la source et la distribuer au même temps, dans la même ville, et revenir peut-être sans rien. S'il y a des restes, ils reviennent avec le reste vers le trésor public. Donc ça existait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des premiers califes. Mais maintenant, ça n'existe plus. Si personne ne vient nous demander la zakat, ça ne veut pas dire que la zakat, elle saute, elle n'est plus obligatoire. Non, la zakat reste un devoir individuel. C'est ma conscience de croyant, de musulman, qui m'oblige à partager et à donner de ma zakat. D'accord ? Mais il vaut mieux aussi que les musulmans s'organisent pour faire des associations, pour inciter et pour même collecter la zakat, la distribuer aussi. Ça, c'est un travail qui reste à faire, qui a commencé, alhamdoulilah, mais qui reste à organiser et à généraliser partout en France et partout dans le monde. Vous avez par exemple le Koweït, le Soudan, l'Algérie et d'autres pays musulmans où c'est organisé. Il y a des associations au niveau national dans ces pays-là où on collecte la zakat et on distribue la zakat. Donc il y a un sondour aux zakat, d'accord ? Il y a l'endroit où... Il y a des pays musulmans qui le font, et donc... Il faut le faire, et ici en France, personne ne le fait. Donc il y a des associations qui ont vu le jour, et il faut qu'on généralise ce type d'association pour que la zakat soit donnée, qu'on incite les gens à donner la zakat, qu'on leur facilite les choses, qu'on leur fasse les calculs, qu'on les aide à calculer, qu'on les aide à voir clair comment donner la zakat et la distribuer par la suite. Donc la deuxième partie, c'est la récompense de celui qui respecte cette obligation. D'abord, donc, puisque c'est une obligation, chaque obligation, par définition, si tu fais une chose obligatoire, tu as une récompense de la part de Dieu. Si tu la délaisses, tu as une punition de la part de Dieu. C'est ça la définition d'un acte obligatoire. D'accord ? Et donc, la zakat, c'est un acte obligatoire. Donc, tu le fais, tu as une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es plus proche de la miséricorde de Dieu. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. Donc les gens qui donnent la zakat, ils sont plus proches de la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils sont eux aussi miséricordieux envers les autres. Ils pensent aux autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est miséricordieux envers eux. Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la destine à ceux qui me craignent, qui sont pieux, qui font la zakat. Là, il cite la zakat toute seule, sans la prière. Parce que là, c'est la miséricorde de Dieu qui est destinée à ceux qui sont miséricordieux
envers les humains. Cependant, cette adoration sociale et financière a une récompense anticipée dans ce bas monde. Parce que, bien sûr, la miséricorde de Dieu, c'est une bénédiction dans ce bas monde et dans l'au-delà. D'accord ? Et la vraie miséricorde, la grande miséricorde, on va dire, la plus grande, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous permet d'aller au paradis. Mais zakat, c'est une purification. Elle purifie l'argent en enlevant le droit et la part des pauvres, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle purifie aussi le donateur de l'amour de l'argent et de l'avarice. Et elle purifie aussi le receveur. Le pauvre aussi, il est purifié de la haine. Parce que quand un pauvre qui vit dans des conditions très pénibles et qui a à côté de lui un riche qui vit dans l'exagération qu'il dépense à outrance, ben c'est tout à fait logique qu'il y ait une forme d'animosité et de haine qui s'installe dans le cœur de ce pauvre-là. Alors que, imaginez que le riche ne vient jamais voir le pauvre. Et cette animosité va grandir avec le temps et avec la distance. Alors que si le riche vient voir le pauvre, prend de ses nouvelles, vient lui-même lui donner sa zakat, et en lui disant « ça c'est ton droit », là, le pauvre changera certainement d'avis sur son frère qui est riche. Contrairement à ce que nous pouvons penser, la sadaqa et la zakat ne diminuent pas les biens, bien au contraire, c'est une bénédiction, c'est une augmentation, c'est une multiplication. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Tout ce que vous donnez, Allah vous le redonnera. C'est sûr. C'est-à-dire que dans ce bas monde, Inch'Allah, Allah vous donnera une bénédiction et Allah vous récompensera dans ce bas monde en vous donnant peut-être ce que vous avez donné. Ou même plus. Parfois même 10 fois plus. Et la récompense, la vraie, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, quand le musulman fait quelque chose, respecte ses obligations religieuses, son seul but, sa seule finalité, c'est avoir la satisfaction de Dieu. Il ne le fait pas parce qu'il veut gagner plus. Même si une des conséquences de la zakat, c'est justement d'avoir plus et de purifier son argent et que son argent... Parce que la bénédiction, c'est ça la vraie valeur de l'argent, ce n'est pas la quantité. C'est la bénédiction qu'Allah mis dans cet argent-là. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais sans bénédiction. À chaque fois, tu as des problèmes, tu as des choses, tu as des dépenses qui arrivent de là où tu ne t'attends pas. Alors que quand il y a la bénédiction, peut-être avec peu d'argent, tu peux vivre bien. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. C'est à ces gens-là qu'on va donner plus, c'est à ces gens-là qu'on va multiplier la bénédiction. Et donc vous avez énormément de versets qui parlent de cette... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple 3 choses, je jure de leur véracité. Apprenez mes paroles, l'aumône ne diminue pas les biens. Le prophète, quand il nous dit quelque chose, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ce qu'il nous dit, c'est véridique? C'est véridique. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il jure sur quelque chose, est-ce qu'il a besoin de jurer, le prophète? Non, il n'a même pas besoin de jurer. Il n'a qu'à dire, et c'est la vérité. Mais là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui jure sur une chose, ça nous montre qu'il veut nous inciter, il veut nous montrer que ça, c'est une règle immuable. C'est une règle qui fonctionne tout le temps, c'est que tu donnes et Allah te donne. Dans ce bas monde, avant l'autre. Le pardon ne fait qu'accroître l'honneur du serviteur. Quand tu pardonnes, ne crois pas que c'est une humiliation. Bien au contraire. Tu pardonnes à quelqu'un, tu pardonnes à un proche, tu pardonnes à quelqu'un qui... Ça, ce n'est pas une humiliation devant lui. Au contraire, Allah te donnera la considération. Celui qui ouvre la porte de la mendicité, Allah lui ouvre une porte de pauvreté. Si tu commences à demander, ben tu vas devenir pauvre, c'est sûr. La punition de celui qui néglige la zakat. Celui qui rejette, il dit la zakat n'est pas obligatoire. Ça existait avant, maintenant c'est fini, on est au 21e siècle, il n'y a plus de zakat, il n'y a plus rien. Celui-là n'est plus musulman. On ne peut pas le considérer comme musulman parce qu'il néglige, ou il rejette. Ce n'est pas qu'il néglige, il rejette un pilier de l'islam. D'accord ? Mais celui qui reconnaît que la zakat est obligatoire,
Il dit, oui, la zakat, je reconnais qu'elle est obligatoire. Mais j'aime beaucoup l'argent. J'arrive pas à donner. Ou c'est trop compliqué pour moi. Comment je fais mes calculs? Je donne pas. Je donne de temps en temps une sadaqa, mais ça me suffit. Je donne pas la zakat. D'accord? Ou pour n'importe quelle autre raison, mais il reconnaît que la zakat est une obligation religieuse. Celui-là, il fait un grave péché, très grave péché, parce qu'il ne donne pas le droit du pauvre, mais il reste musulman. Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner, comme il peut lui en tenir rigueur. Ce n'est pas à nous de juger, mais à nous de conseiller, de faire ce genre de conférence, ce genre de rappel pour que les gens reconnaissent l'obligation et l'importance de la zakat pour la donner. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont menacé ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, annonce à ceux qui thésaurisent or et argent, ils les gardent, ils épargnent or et argent, euros, dollars, dinars, dirhams, tout est pareil. Au lieu de les consacrer à la cause d'Allah. Quand Allah nous dit les consacrer, ce n'est pas la totalité. C'est une partie, qui est minime en réalité. Au lieu de les consacrer à la cause d'Allah, un châtiment douloureux, le jour où ces métaux, cet argent-là, seront portés à l'incandescence dans le feu de Jahannam et appliqués sur leur front, leur flanc et leur dos. Voici leur sera-t-il dit ce que vous thésaurisiez pour vous-même. Savourez donc ce que vous avez thésaurisé. Voilà ce verset qui une menace grave contre ceux qui ne respectent pas cette obligation religieuse. La zakat est une bénédiction, mais ne pas donner la zakat c'est une malédiction. Si tu ne donnes pas la zakat, ton argent il sera sale en quelque sorte et tu auras la malédiction. Ton argent ne te profitera en rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la zakat due ne reste dans un bien sans le corrompre. Hein? Tu as de l'argent et tu laisses la zakat. Cette année, tu n'as pas donné. Donc, la part du pauvre dont je parlais tout à l'heure, elle est là, elle reste là. Tu la considères comme ton argent à toi. Et l'année prochaine, tu ne donnes pas la zakat, encore plus grave. Et cette zakat finira par corrompre toutes les biens que tu possèdes, comme une tomate pourrie dans une cagette. D'accord? Tu le laisses. Si tu ne l'enlèves pas le premier jour, ben, elle va pourrir une autre tomate. Et une autre tomate. Jusqu'à quand tu reviens dans un mois, il n'y aura plus rien. Et donc, c'est exactement ça. L'argent de la zakat, s'il reste dans un bien, il va finir par le corrompre. Donc, il y a des hadiths qui nous parlent de la punition, mais on a un hadith global qui parle de la négligence des obligations et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith là que aucun peuple ne refuse de s'acquitter de la zakat sans qu'il ne soit privé de la pluie et si ce n'est la miséricorde divine envers les animaux il ne recevrait pas une goutte de pluie. Donc ça c'est quand la chose se généralise et quand les gens, personne n'appelle à la zakat, les gens d'une manière générale, personne ne paye la zakat et ça devient la règle. Et ça se généralise. Donc, ce peuple-là qui refuse de donner la zakat sera châtié par la dureté et le manque de la pluie. Il y a d'autres situations. Donc, les biens soumis à la zakat. D'abord, pour qu'un bien soit soumis à la zakat, il lui faut des conditions. Ce n'est pas tout ce qu'on possède, on doit donner la zakat sur tout ce qu'on possède. Non, il y a des choses sur lesquelles on donne la zakat et d'autres choses, on ne donne pas la zakat. Donc, quelles sont les conditions? D'abord, ce bien-là doit être possédé, complètement possédé. Je le possède, je l'ai. D'accord? Deuxièmement, je le possède légalement. Troisièmement, ce bien est disponible. Je peux m'en servir. Quatrièmement, ce bien est fructifié ou fructifiable. Quatrièmement, ce bien dépasse mes besoins élémentaires, le surplus. C'est cette condition qui font qu'un bien est soumis, il est dans l'assiette de la zakat. Il est soumis à la zakat si ces cinq conditions sont réunies. S'il manque une condition,
il n'y a pas de zakat. Donc, je le possède complètement. C'est-à-dire que ce bien, il est exempt de tout droit de dette à échéance immédiate. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, on ne donne pas la zakat sur un bien qui est perdu. J'avais de l'argent, j'avais 10 000 euros, mais je les ai perdus. Je ne les retrouve plus. D'accord ? Je ne vais pas dire je paye la zakat sur cet argent-là. Je ne le possède plus. Je ne l'ai plus. Le jour où je le trouve, c'est une autre affaire. Mais là, en ce moment, je ne l'ai pas. Je l'ai perdu et il est perdu. D'accord ? L'argent que j'ai prêté à une personne, et cette personne, je sais qu'elle ne va pas me rendre cet argent. Ou je ne sais pas quand est-ce qu'elle va me le rendre. Ce n'est pas certain que je récupérerai cet argent-là. Je ne le possède plus, cet argent. Donc, je ne dois pas zakat sur cet argent. L'argent d'une association, l'UFCM. Vous avez de l'argent, j'espère. Cet argent, c'est une association. D'accord ? Une association, elle ne paye pas la zakat sur, parce que ce n'est pas la propriété d'une personne. L'argent du trésor public, l'argent d'une association, il n'y a pas de zakat sur cet argent-là. Par contre, est soumis à la zakat, l'argent que j'ai prêté à quelqu'un, mais je suis certain qu'il va me le rendre. Je suis certain. Voilà. C'est juste une question de... Je peux aller le récupérer quand je veux. Ou l'argent que j'ai en banque. Pas dire, je ne le possède pas, je ne l'ai pas dans mes mains. Hein. Il est en banque. Mais il est en banque, tu l'as. Tu peux en disposer quand tu veux. D'accord ? Tu le possèdes complètement. Et cet argent... Je parlerai de la zakat des dettes si, Inch'Allah, tout à l'heure, si j'ai le temps de finir tout ce que j'ai à dire. Donc, la possession complète. La deuxième chose, c'est la possession légale. Je le possède légalement. Je ne l'ai pas volé. Ce n'est pas l'argent volé. Ce n'est pas les intérêts bancaires. Ce n'est pas l'argent haram. Parce que si tu possèdes de l'argent, tu es riche, mais que cet argent, tu l'as possédé illégalement, tu l'as volé. Mais la première chose, c'est que tu donnes cet argent et tu le donnes à son vrai propriétaire. Et si tu connais pas si ton propriétaire est mort, tu le donnes à ses héritiers. D'accord ? L'argent, tu ne le possèdes pas légalement, tu l'as volé. Tu ne vas pas donner la zakat sur l'argent sale, qui est complètement sale, de A à Z. D'accord ? Le bien qui est acquis illégalement, il n'y a pas de zakat sur le bien haram, bien sûr. Allah nous demande de donner la zakat sur le bien qui est bon. Qui est halal, c'est sur celui-là que tu donnes la zakat. Le bien haram, qu'est-ce que tu en fais ? Ben, tu t'en débarrasses. Tu t'en débarrasses. Tu le donnes à son propriétaire, à son vrai propriétaire. Maintenant, il y a des situations où il faut traiter au cas par cas. D'accord ? La disponibilité, au cas par cas, quand je dis au cas par cas, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont fait à droite, à gauche, ils ont mélangé, ils ont travailler, savent même pas ce qu'ils ont gagné, ce qui est halal, ce qui est haram. Donc dans ce cas-là, il y a quand même à traiter au cas par cas pour voir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a fait ça et qui aille voir un imam, qui discute avec lui. Et il y a des choses, donc il y a vraiment au cas par cas, qu'est-ce qu'il doit donner, qu'est-ce qu'il doit laisser, les choses où il est certain que c'est du haram à 100%, les choses où il y a un doute, c'est un mélange. Et donc c'est pour ça qu'il faut traiter au cas par cas. Dans cette question de l'illégalité. L'argent est disponible, donc j'ai la possibilité d'en disposer. D'accord ? Si l'argent est bloqué, par exemple, par le juge, j'ai de l'argent, je sais que je vais recevoir 10 000 euros, mais je ne les ai pas encore. D'accord ? Une femme qui va recevoir sa dot, par exemple, et son mari tarde à lui donner. Hein ? Elle n'a pas encore l'argent, donc cet argent... Hein. Ou quelqu'un qui va recevoir un héritage et qui ne l'a pas encore reçu. C'est bloqué par le partage. C'est pas encore partagé. Elle donne. On ne donne pas l'argent sur l'argent qui n'est pas disponible. On ne donne pas la zakat. Par contre, si j'ai de l'argent et j'ai moi-même voulu le fructifier, voulu faire du commerce, faire un plan d'épargne entreprise, comme aujourd'hui, il y a des plans d'épargne entreprise, d'accord ? Où l'entreprise donne un peu d'argent et le salarié met un peu d'argent et c'est bloqué pendant 5 ans. Mais c'est bloqué par ta propre volonté. On ne t'oblige pas de le bloquer, tu l'as bloqué. Donc cet argent, plan d'épargne entreprise, tu dois donner la zakat dessus. D'accord ? Tu ne donnes pas de... Ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai un plan d'épargne entreprise... et que cet argent-là, je ne peux pas le toucher, et que j'ai mon salaire qui tombe
ben, je peux toucher cet argent-là. Donc je donne la zakat de ça à partir de là. Tout ça, c'est ton argent à toi, il n'y a aucun problème. D'accord ? Mais certains qui peuvent penser, l'argent que je dois donner en zakat, c'est uniquement l'argent qui fait partie de celui qui est bloqué. Non. Très bien, donc l'argent est disponible. La fructification ou la possibilité de fructification. Là, il faut bien concentrer avec moi parce que c'est un peu technique, on va dire. C'est quoi la fructification ? C'est que l'argent que j'ai 10 000 euros. Et j'ai décidé de faire du commerce. Je prends ces 10 000 euros, j'achète des livres. D'accord ? J'achète des livres. Et je commence à vendre les livres. Donc cet argent-là, je l'avais en argent, maintenant je l'ai en marchandise. Je suis en train de le fructifier. Donc, soit sous forme argent, soit sous forme marchandise, l'argent, il est fructifié. D'accord ? Très bien. Donc, je dois donner la zakat sur l'argent, sur les livres. D'accord ? Maintenant, j'ai 10 000 euros, mais je suis paresseux, j'ai pas envie de me casser la tête. Et les 10 000 euros, ils sont là, en train d'attendre. D'accord ? Ben, il est fructifiable. Cet argent, il est fructifiable. Il n'est pas fructifié, pour l'instant, mais j'ai la possibilité de le fructifier. Donc, je donne sur les 10 000 euros. D'accord ? Maintenant, j'ai un garage. J'ai un garage. Ou un local commercial. Est-ce que je peux fructifier ce local commercial ? Je ne peux pas le fructifier. C'est un local commercial. J'ai un camion avec lequel je travaille. Il n'est pas fructifiable, le camion. Tu vas pas... Donc, le local commercial, le camion, la machine avec laquelle tu travailles, même si elle coûte 1 000 000 d'euros, elle n'est pas fructifiable. Donc, elle sort de la zakat. Qu'est-ce qui... Tu donnes la zakat sur quoi ? Sur la marchandise que tu vas produire, sur ce que tu vas vendre et acheter. D'accord ? Donc, l'argent, pour qu'il soit soumis à la zakat, il faut qu'il soit fructifié, soit on a la possibilité de le fructifier. D'accord ? Vous avez compris ? Voilà. Donc, je donne des exemples. L'islam incite à la fructification des biens, justement, pour combattre la thésaurisation. Vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent... L'argent dort hein, sous le matelas, en banque. Et en banque, c'est encore plus grave parce qu'après, ça génère des intérêts. Et ces intérêts, il faut les gérer. L'islam donc incite à la fructification. La zakat est un moyen efficace pour que l'argent circule entre toutes les personnes et tous les niveaux sociaux de la société. Donc l'argent ne doit pas rester thésaurisé. Ne sont pas soumis à la zakat les bijoux d'ornement. Une femme qui a des bijoux d'ornement, elle les utilise pour l'ornement, pour les mariages, pour... Donc, dans ce cas-là, elle ne paye pas la zakat sur ces bijoux-là. Ils ne sont pas soumis à la zakat, d'après la majorité des savants musulmans. Les maisons, les terrains, les voitures, les meubles, je dis les, même si tu en as 4 voitures ou tu as 3 maisons, tu ne payes pas la zakat sur la maison elle-même. D'accord ? Sauf dans le cas où je suis commerçant de voitures. Je suis commerçant de voitures. Je vends les voitures. La voiture, pour moi, ce n'est pas un outil, ni un moyen de transport. La voiture, pour moi, c'est une marchandise. C'est comme les livres pour l'autre tout à l'heure. Pareil. Donc, dans ce cas-là, je paye la zakat sur les voitures. Je valorise la voiture et je paye la zakat sur les voitures que je vends ou que j'achète. Sans soumis à la zakat, la marchandise exposée en vente, les actions en bourse, les bijoux possédés par un homme, parce que justement, il n'a pas le droit de posséder des bijoux en or, la vaisselle en or ou en argent, les bijoux en grande quantité possédés par une femme qui les a achetés dans l'objectif de garder, de faire des épargnes, d'accord ? Et il est interdit pour un homme d'utiliser les bijoux, comme je viens de le dire, et c'est pour ça qu'il est obligatoire pour lui de payer la zakat. L'autre condition, c'est le surplus. Je ne donne pas la zakat sur l'argent qui va me servir pour ma vie de tous les jours, pour les éléments élémentaires de ma vie. Donc, c'est les besoins fondamentaux de ma propre personne et de toutes les personnes qui sont à ma charge. Ne sont pas soumis à la zakat les biens nécessaires pour la vie, le travail, la maison, son fonctionnement, la voiture et son entretien, la nourriture, les habits, la santé, le local commercial, le terrain agricole, le local des outils de travail, tout ça. Ben, ce n'est pas un surplus, ça c'est des choses qui vont me servir pour vivre, d'accord ? Ou pour travailler. Donc tout ça n'est pas soumis à la zakat. Cependant, l'excédent du salaire,
l'excédent de l'argent gagné par un artisan ou quelqu'un qui a une profession libérale sont soumis à la zakat parce que c'est l'excédent justement. Il gagne tant d'argent, il va vivre, ça, les choses élémentaires de la vie vont lui coûter tant, donc l'excédent, ça, est soumis à la zakat. Donc là, ça va nous amener pour parler, donc là, les cinq conditions, on les a vues ensemble. Quand je parle de le surplus, à partir de combien d'argent je deviens riche et je considère que mon argent est soumis à la zakat. Mais l'islam, comme je vous ai dit, a fixé cette notion-là. Qui est riche? Celui qui possède un nisab. Gardez bien cette notion en tête, un nisab. Celui qui possède un nisab ou au-delà d'un nisab est riche. Il doit donner la zakat. Donc, on a la définition du riche. Après, la définition du pauvre, c'est quelque chose, autre chose. On le verra peut-être tout à l'heure, Inch'Allah. Si... Donc, la zakat est exigée, n'est exigée que des personnes qui ont les moyens de payer la zakat. Ils sont capables de subvenir aux besoins de leur famille et, en plus de ça, de mettre de l'argent de côté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُ » Al-afu, c'est ce qui dépasse, ce que vous avez en plus. D'accord? Il t'interroge également sur ce qu'ils doivent dépenser. En aumône, dis-leur de donner le surplus excédant leurs besoins. Tels sont les enseignements que Allah vous donne pour vous amener à réfléchir. Ibn Abbas, quand il parle de. Explique ce verset-là, il dit il n'y a de zakat que quand il y a de la richesse. Bien sûr, c'est normal. On ne peut pas demander, on ne demande pas à un pauvre de donner la zakat. Quelqu'un qui vit juste, il ne donne pas la zakat. Celui qui donne la zakat, c'est que quelqu'un qui a de l'argent de côté. D'accord? Qui arrive à vivre et qui met de l'argent de côté. Ou qui reçoit de l'argent par héritage, par don, par prime. D'accord? Et que cet argent-là, qu'il a reçu, dépasse ses besoins élémentaires et qu'il le garde une année. Voilà comment il doit... Pour identifier ceux qui doivent payer la zakat, donc l'islam a instauré cette notion de an-nisab. Pour vous simplifier les choses, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fixé le nisab avec deux choses, avec de l'or et avec de l'argent. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des pièces d'or. Une pièce en or, on l'appelle dinar. Et une pièce en argent, on l'appelle dirham. À l'époque, une pièce en or faisait 10 pièces en argent. Si tu veux acheter, par exemple, de la nourriture avec un dirham, tu donnes un dinar et on te redonne 9 dirhams. Donc, c'était la monnaie. On n'avait que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il n'y avait que ça. Et même ça, ce n'était pas très généralisé. C'est-à-dire que les gens faisaient souvent du troc. Je donne du blé, on me donne des dattes, ainsi de suite. L'argent n'était pas très très généralisé. Et l'argent, c'était le vrai argent, c'était la vraie valeur. Donc c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'euro, c'est pas là. L'euro, le papier, c'est papier. C'est juste une valeur qu'on lui donne. Hein. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait fixé pour l'argent, 20 dinars. Si tu as 20 dinars qui dépassent tes besoins alimentaires, tu es riche. Donc ça se traduit comment en argent? Combien? 20 dinars, ça fait 200 dirhams. Parce que je vous ai dit, un dinar faisait 10 dirhams. 10 dirhams. Donc voilà, ça se traduit. Avant, c'était 10 dinars ou 20 ou 200. 20. Voilà, 20 dinars ou 200 dirhams. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la même valeur. Et avec 20 dinars ou 200 dirhams, on pouvait acheter à peu près 20 moutons. À peu près. Juste pour tout à l'heure, gardez ça comme information. Et aujourd'hui, avec l'évolution du temps, 20 dinars, ça fait 85 grammes. Donc les savants musulmans d'aujourd'hui, là, de ce siècle, notamment Cheikh Farabaoui, il a fait ce travail-là, il a mesuré, il a pris un dinar de l'époque, et il l'a mesuré, il l'a pesé, et il a sorti aujourd'hui, tous les savants musulmans sont d'accord, c'est 85 grammes en or. En dirham,
c'est en dirham, si tu pèses 200 dirhams, ça fait 595 grammes de dirhams. 595 grammes de d'argent. L'argent, le métal, avec un grand A. Aujourd'hui, si vous êtes, si j'ai internet, tout à l'heure je vous montrerai que l'argent a baissé, la valeur de l'argent ne vaut rien aujourd'hui. Et la valeur de l'or reste stable quand même. Il baisse, il fait comme ça, mais ça reste stable. Donc aujourd'hui, si je calcule le nisab que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé avec de l'argent, je trouve que nisab vaut 280 euros. Si je le calcule avec l'or, il vaut 2800 et quelques. Ah ben, lequel prendre? Lequel prendre à votre avis? Il y a une divergence. Il y a une divergence, justement. Là aussi, il y a une divergence. Vous avez certains savants musulmans qui disent le pauvre doit être privilégié. Donc, on garde 280. Pourquoi? Parce que, comme ça, on est tous riches, en quelque sorte. Parce que celui qui a 280, on est tous riches. Donc, dans l'intérêt des pauvres, on doit prendre l'argent. D'autres savants, et c'est la majorité, notamment Cheikh Al-Dawi, qui est le plus grand spécialiste de la zakat, dit c'est l'or qu'on doit prendre en considération, parce que l'or, il est plus stable. Avec 2800 euros aujourd'hui, est-ce que vous pouvez acheter 20 moutons? 20 moutons? Oui, quand même. Avec 280 euros, vous pouvez acheter 20 moutons? Non. Un mouton et encore. Hein. Ça dépend de l'Eid, un mouton. En dehors de l'Eid, vous pouvez acheter deux. Donc, voilà pourquoi les savants, aujourd'hui, penchent plutôt vers l'or. L'or, le nissab fixé en or, c'est ce nissab-là qu'il faut prendre en considération. Mais vous avez nos frères à l'île de la Réunion où c'est plutôt le nissab de l'argent qu'on garde. Salam alaykoum, cher Hamad. Salam alaykoum. Cher Hamad. Non, mais c'est pas lié à un madhhab parce que ça existait avant. Donc aujourd'hui, vous avez ces deux avis qui existent, mais on va dire que la majorité penche vers le nissab en or, 20 dinars, 85 grammes en or, et qui est la valeur la plus stable. Et qui, donc, si j'ai calculé par exemple, je crois que j'ai internet, tout à l'heure je vous montrerai, ce site-là il est bien. Pas internet, mais c'est pas grave. Allez sur 24hgold, c'est un très bon site. Vous allez avoir connaître des choses sur l'argent et l'or et tout, la bourse. Et ce site-là, il va vous donner, même sur 10 ans, l'évolution du prix de l'or. Et aujourd'hui, par exemple, vous allez suivre aujourd'hui combien un gramme d'or vaut en euros, en dollars. Et donc, ça, si vous êtes. Si vous voulez donner la zakat, soit vous demandez à l'imam, soit vous demandez à quelqu'un quelle est la valeur de nissab, soit vous allez vous-même multiplier le prix d'un gramme d'or par 85 et trouver le nissab. Voilà. Donc, voilà la notion de nissab qui a été fixée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même et qu'on doit respecter, comme je vous ai dit. Et chaque type de bien a un nissab particulier. Pour les moutons, il y a un nissa. Pour les vaches, il y a un nissa. Pour la récolte agricole, il y a un nissa. Pour les chameaux, il y a un nissa. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'argent et l'or. Et l'argent, euros, dollars. Donc, en ce moment, on est à 2800 et quelques. 2800 et quelques. Parce qu'il fait un gramme, il fait à peu près 32 euros en ce moment. 32 euros multiplié par 85, vous allez trouver. Voilà. Maintenant, je vous propose la méthode pratique qui va vous permettre de payer la zakat qui est basée sur l'école Hanafite et la fatwa qui a été donnée par le Congrès mondial de la zakat en 84. Donc, la règle de base est la suivante. La zakat de l'argent consiste à prélever, prendre, et à donner aux ayants droit, chaque haoul, année lunaire,
2,5% du bien si ce bien atteint un nisab, le minimum dont je parlais à l'instant. D'accord ? Chaque mot est important ici. La zakat de l'argent consiste à faire quoi ? À prélever et à donner aux ayants droit. Les ayants droit, c'est 8 catégories de personnes qu'on va citer tout à l'heure. Chaque haoul. Haoul, c'est une année lunaire. Mais c'est pas... Aujourd'hui, on est en quelle année lunaire ? Hijr. 1436. 37. On a quelques mois, on est en 37. Et c'est pas le haoul, c'est pas 1437 ou 1436. Non, c'est entre deux dates, par exemple, de Arafat de l'année dernière jusqu'à Arafat de l'année prochaine, ça c'est un haoul. De Muharram, premier Muharram de l'année dernière jusqu'au premier Muharram de l'année prochaine, ça c'est un haoul. Un haoul, c'est une période qui dure 12 mois lunaires. 12 mois lunaires, c'est combien de jours ? 355 jours, à peu près. Virgule quelque chose. Alors que le mois, l'année lunaire, solaire, elle fait 365. D'où le décalage chaque année du mois de Ramadan, les décalages du mois de Muharram. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage de 10 jours. Voilà. Donc la méthode consiste à d'abord fixer une date. Que chacun de nous ait une date fixe annuelle. Il la connaît. C'est une date connue pour lui. Elle est marquée dans sa tête ou elle est marquée sur un papier. Il sait que la date de la zakat, c'est telle date. Pour moi, la date, c'est le 1er Muharram. Pour moi, la date, c'est le 27 Ramadan. Pour moi, la date, c'est le 4 Rajab, par exemple. Donc, il y a une date qui est fixée. Je vous montrerai tout à l'heure comment fixer cette date, sur quelle base on doit fixer cette date. La deuxième chose, c'est à l'échéance de cette date, je vérifie la valeur actuelle de Nissab. Combien est un Nissab ? Comment je fais ? Je vais sur 24H Gold, où j'appelle mon imam préféré, pour lui dire combien est un Nissab. Et il va me dire c'est 2500. Très bien. Sinon, je vais sur le site, je regarde le prix du gramme de l'or, je le multiplie par 85. Et là, je trouve la valeur. Et après, je fais l'inventaire de tout l'argent soumis à la zakat. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'argent soumis à la zakat, les 5 conditions. L'argent qui est disponible, l'argent qui est fructifiable, l'argent que je possède, que je possède légalement. Donc, cet argent-là, je le calcule. Je fais l'inventaire de tout l'argent soumis à la zakat et je fais un calcul total. Je compare. Je vais trouver que j'ai, d'après tous mes calculs, 3000 euros. 3000 euros. Est-ce que c'est plus grand que Nessab ? Oui, pour moi, ce jour-là. Donc, c'est bon. Je dois obligatoirement donner la zakat. Je donne la zakat sur combien ? Sur l'intégralité. Sur l'intégralité. Sur les 3000 euros. Je ne vais pas dire, je donne la zakat sur 3000 moins 2500. Nessab, ce n'est pas à enlever. Nessab, c'est juste une valeur indicative. Ça vous indique est-ce que vous êtes riche ou vous n'êtes pas riche. Donc, si vous dépassez, ne serait-ce que, même si vous êtes pile poil, vous donnez, c'est mieux. D'accord ? Au moins, vous êtes certain. D'accord ? Parce que il y a aussi cette question de kara aujourd'hui. Donc, il vaut mieux calculer un peu moins. Vous dites, si le nissab il est fixé à 2800 euros, si vous avez 2700, ben, donnez, c'est mieux. Si vous avez 2500, c'est pas grave. D'accord ? Et donc, la zakat, la zakat, donc, c'est, je divise par 40. J'ai 3000 euros, je divise par 40. Et je donne cette partie. C'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous demande combien ? Un quarantième de notre argent. C'est pas beaucoup, hein ? Allah ne demande pas beaucoup, subhanahu wa ta'ala. L'islam ne demande pas énormément. Mais ça, c'est obligatoire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas délaisser. Ça, c'est obligatoire de donner la zakat. Comme je vous ai dit, c'est un droit. Je divise par 40. Si j'ai 10 000 euros, c'est 250 euros. Si j'ai 3 000 euros, c'est 25, 25, 25. C'est 75 euros sur 3 000 euros. Parce que chaque 1 000 euros, je dois payer 25 euros. 2,5%. La somme globale, vous la divisez par 40 et vous avez votre montant de zakat. Qu'est-ce que je fais ? Je prépare cette somme d'argent. D'accord ? Même si j'ai un compte bloqué ou quelque chose comme ça, je la prends de mon compte courant.
je prends cet argent-là avec l'intention de donner az-zakat. Et le jour J, là, ce jour-là, parce que j'ai fait mes calculs ce jour, le jour où j'ai fixé, j'ai déjà, au préalable, pensé à qui l'a donné. Parce qu'il vaut mieux que ça soit décidé avant. Le problème, c'est que nous n'avons pas le droit de retarder la zakat sans raison valable. D'accord ? C'est-à-dire que le jour J, normalement, ma zakat, elle arrive dans la main du pauvre. Je n'ai pas le droit de la retarder. Certains savants, même elle, qui disent, même un jour, normalement, tu n'as pas le droit, sauf pour une raison valable. Donc, j'ai déjà fixé à qui donner la zakat, et le jour J, je viens voir la personne, je lui donne ma zakat, ou, le plus intéressant, c'est que on la donne à une institution qui la collecte et qui s'occupe de la distribuer selon les règles. D'accord ? Il est possible d'avancer le paiement de la zakat, mais il est interdit de la retarder. D'accord ? Si un jour, par exemple, je suis devant une personne qui est en difficulté, qui me demande de lui donner la zakat, de lui donner de l'argent, de lui donner de l'aider, et il est possible de se dire, je lui donne maintenant de l'argent et je considère l'argent que je viens de donner avant de le sortir ou en le sortant, j'ai l'intention de donner la zakat. Je lui donne et quand la date arrive, je le donne en avance, pas en retard. Parce que certains me demandent, si je vais attendre jusqu'au... Je vais aller au bled, je vais attendre et je retarde ma zakat. Non, il ne faut pas retarder la zakat, au contraire. La zakat de l'année prochaine, tu la donnes maintenant. Donc, tu peux avancer la zakat, et ça c'est autorisé, mais tu ne peux pas retarder la zakat. D'accord ? Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, comment je fixe une date ? Comment la date doit être choisie ? La date doit être choisie selon la progression de mon argent, l'assiette de la zakat. Je commence à travailler, j'ai aucune ressource avant, maintenant je commence à travailler. J'étais étudiant, j'étais au chômage, je commence à travailler, et petit à petit, mon compte commence à se remplir, je commence à mettre de l'argent de côté, et à un moment donné, un mois arrive, et je constate que mon compte a dépassé une certaine somme d'argent, je sais bien sûr à peu près, Nessab il est à combien, je suis un peu, et à partir de ce moment-là, quand je reçois mon salaire, après avoir enlevé les factures nécessaires pour ce mois, je me dis, ah, il va me rester plus qu'un nissab. Ben, à ce moment-là, je note cette date-là. Cette date-là, pour moi, c'est ma date de référence. Elle devient ma date de référence. Imaginez que cette date, c'est le 4 Rajab. 4 Rajab. Rajab, c'est le 7e mois lunaire. Ben, marqué 4 Rajab, j'ai mon argent. Mais l'argent que j'ai mis de côté qui dépasse le nissab, ça veut dire quoi? Ça veut dire normalement, logiquement, le 4 Rajab de l'année prochaine, je dois obligatoirement donner ma zakat. Si l'argent que j'ai dépasse encore un nissab. Est-ce que c'est clair? Donc la date, elle est fixée de cette manière-là. Maintenant, je vous ai dit que, je le dis, c'est bien de choisir une date importante, une date connue. Parce que le 4 Rajab, il n'y a que moi qui connais le 4 Rajab, parce que je l'ai noté haut. D'accord ? Mais pour que je profite en quelque sorte de soit la bénédiction, comme le mois de Ramadan, c'est bien de donner sa zakat pendant le mois de Ramadan, soit du mois de Muharram, parce que tous les imams ne vont pas vous parler de la zakat. Généralement, ça ici est une tradition. Ce n'est pas quelque chose qui relève de la sunna ou quoi que ce soit. C'est une tradition aujourd'hui que les gens, les musulmans, les riches donnent la zakat pendant le mois de Muharram, avant Ashura, entre le 1er et le 10. Ça devient une tradition. On ne va pas dire que c'est bien ni c'est mauvais, mais si vous voulez, vous, parce que les imams aussi font les khutbas généralement pendant cette période sur la zakat, ça va vous rappeler. Comme ça, Shaitan, il ne va pas s'emparer de vous et vous empêcher de donner votre zakat. Donc vous pouvez avancer la date. C'est-à-dire que au lieu d'attendre le 4 Rajab, au lieu d'attendre le 4 Rajab, une année complète, ben vous allez donner au milieu de l'année, vous allez donner quand le 10 Muharram arrive. Et donc là, vous avez donné la zakat le 10 Muharram.
vous avez la possibilité d'attendre jusqu'au 10 Muharram de l'année prochaine. Et ainsi, vous pouvez changer votre date de référence. D'accord ? Cette date de référence qui est connue, vous la gardez toute la vie. Toute votre vie, c'est cette date-là. Je vous conseille vraiment de choisir Ashura comme date, c'est connu. Tout le monde parle de la zakat ou le 27 Ramadan. Parce que Ramadan, ce qu'on donne pendant le mois de Ramadan, il a une récompense particulière. D'accord ? Mais si vous ne voulez pas changer, vous gardez une date qui est pour vous la date de référence, que vous avez bien notée. Là, il n'y a aucun problème non plus. D'accord ? Ça, c'est pour vous expliquer. Moi, par exemple, c'est le 4 Rajab pour moi. Et moi, je veux fixer une date connue, le 10 Muharram. Ben, au lieu d'attendre le 4 Rajab de l'année prochaine, ben, je vais donner avant. Je vais donner avant. Sur la totalité de ce que je possède. Je ne vais pas donner. Je donne sur la totalité. Ainsi, ma date de référence change. Donc, voilà. Ça, c'est l'école Hanafite. Donc là, bien sûr, cette méthode est basée sur l'école Hanafite et non pas l'école Malikite. Parce que chaque somme d'argent que tu gagnes, tu dois, si elle dépasse ton nisab, tu dois la calculer toute seule. Tu dois lui donner à elle-même une date et attendre une année complète. Ce qui fait que nous, salariés ou professions libérales, ça va devenir très compliqué. C'est-à-dire que chaque somme d'argent que tu reçois, tu dois lui faire son calcul à elle particulièrement. Et tu n'auras pas un seul haoul, tu en auras 12, parce que tu vas recevoir mensuellement de l'argent. Ce qui complique énormément les choses, qui explique aujourd'hui que beaucoup de maghrébins ne payent pas la zakat, ils donnent des sadaqah, parce que c'est compliqué. Mais comment je peux calculer moi l'argent ? À chaque fois je dois faire un tableau, c'est Excel et des macros, et je ne sais pas si on arrive à faire le calcul, c'est compliqué. Alors que l'école Hanafite, c'est l'avis, la fatwa elle est dans le document, c'est l'avis de congrès mondial de la zakat, que la date soit une seule, parce que c'est la méthode qui va vous permettre de faciliter le calcul et de donner la zakat une fois par an, et de donner la zakat. Alors que quand la zakat est compliquée à calculer, beaucoup de personnes vont éviter de donner. Ils donnent des sadaqas, mais ils ne donnent pas la zakat. Alors que la zakat, c'est une obligation. Voilà. Calculer l'intégralité des biens soumis à la zakat, comme je vous ai dit, tu calcules la totalité. Je vous donne un exemple, parce que là, un exemple. J'ai une personne qui a un compte courant où il y a 2050 euros, un compte épargne où il y a 3800 euros. Je ne parle pas ici d'un compte épargne, oui ou non, est-ce que c'est... Ça, c'est autre chose. Cheikh Mohamed, il va vous en parler la semaine prochaine, Inch'Allah. J'ai de l'argent liquide dans ma poche, 120 euros. J'ai des factures à régler, que c'est immédiatement facture de 30 euros de téléphone, 130 euros d'électricité, hein, vous pouvez extrapoler. Donc, je fais la somme de tout ça. Donc, je fais 2050 plus 3800 plus 120 euros. J'ai fait exprès de marquer 120 euros parce que c'est votre argent. Même s'il est dans votre poche, vous n'allez pas vous dire, mais c'est rien 120 euros, mais c'est le droit du pauvre. Même sur 120 euros, il y a peut-être 1 ou 2 euros qui sont pour le pauvre, tu dois les donner. D'accord ? Il ne faut pas dire, non, ça c'est... Tu fais le calcul global de ton argent, tout ce que tu possèdes. Quand la date que tu as fixée arrive, si cette somme globale, moins les factures immédiates, dépasse le nisab, tu es soumis à la zakat, tu donnes... Tu divises ton argent par 40 et tu donnes une part. D'accord ? Si cet argent ne dépasse pas la zakat, tu ne donnes pas. Ou si bien de donner une sadaqa, bien sûr. Il faut avoir l'intention pour donner la zakat, parce que la zakat et la sadaqa sont des adorations. Et l'adoration doit être basée sur une intention. Celui qui met la main dans la poche, il sort 50 euros, il donne à quelqu'un. C'est fini, parce qu'il n'avait pas l'intention de donner une zakat. Cet argent qu'il vient de donner, c'est une sadaqa. Il ne peut pas dire après coup, ah, finalement, c'est une zakat. Non, tu l'as donné en tant que sadaqa, elle restera sadaqa. Pour sortir la zakat, comme je vous ai dit, au moment où tu mets la main dans la poche, ou au moment où tu mets la main dans la main, ta main droite dans la main
droite du pauvre, c'est à ce moment-là, là, ton cœur, tac, c'est une zakat. Ça, c'est ma zakat. D'accord ? J'avance ma zakat. Ça, c'est deux choses complètement... Voilà. Je peux avancer le paiement de la zakat. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Ici, par exemple, j'ai rencontré... voilà, il y a une catastrophe naturelle ou quelque chose comme ça. Une association humanitaire qui m'a demandé de l'aide. J'ai envoyé 200 euros. Après, il y a un pauvre qui m'a demandé, qui avait une dette, et je lui ai donné 100 euros. Mais avec l'intention de donner la zakat. Ici, avec l'intention de donner la zakat. Très bien. Le 10 Muharram arrive et je fais mes calculs, je trouve que je dois payer 400 euros de zakat. D'accord ? Je paye combien, non ? 100 euros uniquement. Parce que j'ai déjà donné 300 euros de zakat. Très bien. Maintenant, je trouve que je dois payer uniquement 200 euros. Imaginez que là, c'est que 200 euros. Alors que j'ai déjà donné 300 euros. Qu'est-ce que je dois faire ? Les 100 euros que j'ai donné en plus, je dois les considérer comme sadaqa, première option. Deuxième option, zakat pour l'année prochaine. Oui, on peut avancer la zakat même 2 ans. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son oncle l'Abbas, et on peut avancer la zakat 2 ans. Voilà. Je vous donne quelques exemples là, avec cette méthode, où on a la méthode d'une date de référence fixe. Vous arrivez à voir un peu ? Mais je vous explique, Inch'Allah. Le document, je peux le mettre sur mon blog. Donc, vous avez une date fixe. Cette date-là, quand elle arrive, vous allez faire vos calculs. Si votre argent dépasse le nisab, vous donnez. Si votre argent ne dépasse pas le nisab, vous ne donnez pas. Ne faites plus attention aux fluctuations. Les fluctuations, justement, c'est ça qui fait que je dois toujours changer. Et là, avec cette méthode, il y a plus de, on calcule plus les fluctuations. Donc voilà. Ici, imaginez que je donne ma zakat le mois de Muharram, le premier par exemple, ou le 10. Je vous ai noté ici un nisab. Nisab, le mois de Muharram, le nisab, il était à 1800. Le mois de Safar, à 1900. Donc, le nisab évolue. Positivement. Le nisab, il change beaucoup parfois. Hein, parce que l'or, il y a 10 ans, je me souviens, le nisab, il était à 800 euros. Et aujourd'hui, l'année dernière, il était à 3500, 3900 même. Parce que l'or a augmenté. Et là, maintenant, ça se stabilise. Donc, le nisab, il est là. Maintenant, on a une personne qui s'appelle Abdallah. Il a, le mois de Muharram, de l'année dernière, il a 3000 euros. Est-ce qu'il donne la zakat ou oui ou non ? Est-ce qu'il donne ou pas ? Non. Pourquoi il donne ? Il dépasse le nisab. Très très bien. Et il a donné combien, Abdallah ? Pour cette année, l'année dernière, il a donné 75 euros. Très bien. Regardez, Abdallah, il arrive à épargner 200 euros. On le voit. Le mois prochain, il a sur son compte 3200, 3400, 3600. Et ça augmente. Jusqu'à que Muharram de l'année prochaine, il a 5400 euros. Est-ce qu'il donne la zakat, oui ou non ? Non. Il donne sur combien ? Sur 5400, sur la totalité. Il ne va pas dire je donne sur 5400 moins 3000. Non, il donne sur la totalité. Il ne va pas dire je donne sur 5400 moins 2600 parce que c'est nisab. Non, il donne sur la totalité. Très bien. Soumaïa, elle a 2100 euros. Est-ce qu'elle donne la zakat ou pas pour l'année dernière ? Non. Pourquoi ? Elle a dépassé le nisab. Elle a dépassé. Est-ce qu'elle donne ou pas ? Oui. Oui, d'accord. Donc 1800 nisab, elle a déjà donné. Après, Soumaïa, elle arrive à mettre de côté 400 euros. Donc, mais là, elle a fait un achat parce que de 2500 euros, elle passe à 1000 euros. Elle a fait un achat de 1500 euros. Normal, pas de problème. Hein. Après, 1400, elle arrive maintenant à mettre 400 euros par mois, jusqu'à l'arrivée de mois de Muharram. Et elle a 5000 euros sur son compte. Est-ce qu'elle donne la zakat, oui ou non ? Oui. Sur 5000 euros. 5000, très bien. Omar, miskin, il vit sur les réserves. Il avait 2500 euros. Est-ce qu'il donne la zakat ou pas ? Oui. Voilà. Mais le mois prochain, il est à 2003. Le mois d'après, à 2100. Le mois d'après, à 1900. Et chaque mois, il pioche sur ses réserves. Et il arrive le mois de Muharram de l'année prochaine, il n'a que 100 euros.
Est-ce qu'il donne la zakat? Non. Il ne donne pas parce que le nisab est à 2500. Il ne donne pas. Maintenant, on a quelqu'un qui s'appelle Jahil. Il a 3600 euros. Et après, il a 3800. Il arrive à mettre de côté 200 euros. Et le mois de Dhul-Hijja arrive, il a 5800 euros. Et bizarrement, quand le mois de Muharram arrive, il n'a que 200 euros sur son compte. C'est parce qu'il est parti au Hajj. Il est parti au Hajj, peut-être, oui. T'as une bonne opinion des croyants. C'est une bonne chose. Mais là, moi, je l'ai calculé pour autre chose. Pour celui qui veut ruser, parce que vous avez des gens qui, pour ne pas payer la zakat, ils vont ruser et ils vont faire des achats pour... Alors, donc, celui-là, il doit payer la zakat, même si... Ok, d'accord, très bien. Je vous montre ce schéma-là, juste pour vous montrer que la zakat ne représente pas beaucoup. La zakat, c'est une part vraiment minime. Vous avez quelqu'un qui gagne 2650 euros par an. Il dépense 1800 euros par mois. 2550 par mois. Il dépense 1800 par mois. Et il a 800 euros d'épargne par mois. Ça, c'est un exemple global. Hein. L'objectif de cet exemple, c'est juste vous donner une idée de ce qu'on paye comme zakat sur notre salaire. Donc, il va vivre en quelque sorte avec 21 600 euros, c'est ce qui lui permet de vivre. Ça, c'est la voiture, les habits, la nourriture, les soins, tout ça, c'est ça. Après, il lui reste combien? Il lui reste le surplus, presque 10 200 euros. 10 200 euros, ça dépasse ses besoins élémentaires. Il doit donner combien? Il doit donner 2,5% de combien? De 2200 euros, ce qui fait 255 euros. D'accord? Et ça, les 9 945 euros, c'est pour lui. Il peut les garder, il peut en faire ce qu'il veut. D'accord? Regardez, est-ce que Allah nous demande beaucoup par rapport à notre... Il nous demande une part minime. Et après, vous avez des gens qui viennent nous dire, est-ce que je peux donner la zakat à mes parents? Je lui dis, tes parents, regarde là, il te reste combien là? 9 945 euros. Tes parents, tu prends ici, là, regardez, tac, là, tu prends ce morceau-là et tu le donnes à tes parents. Tu prends 2000 ici parce que c'est tes parents. Tes parents, ils sont à ta charge. Tes parents, c'est tes parents. Tu ne vas pas penser à tes parents que quand il s'agit de ce petit morceau vert. Pense à tes parents, tu as tout ça pour donner à tes parents. Ou la mosquée même, la mosquée. La mosquée, on ne va pas penser à la zakat, qui est un droit des pauvres, uniquement sur cette petite part. Je ne vous dis pas de ne pas donner à la mosquée. Je vous dis de donner à la mosquée. C'est très très important de donner à la mosquée. Mais la mosquée, tu prends un bon morceau ici, là, d'accord? Et tu le donnes à la mosquée. C'est pour illustrer, parce que beaucoup croient que la zakat, c'est quelque chose qui est énorme. Alors un schéma comme ça, ça vous remet les idées en place. La zakat, c'est une... petite part qu'Allah vous demande pour votre bien. Maintenant, il y a une fatwa qui est très pertinente. C'est-à-dire que dans la méthode que je viens de vous proposer, cette méthode hanafite, hein, cette méthode basée sur la fatwa du congrès, elle ne fait pas la différence entre le dépensier et l'économe. Si quelqu'un, regardez la sœur là-bas, Soumaya, elle a dépensé 1500 euros, je ne sais pas pourquoi. Elle a peut-être dépensé pour une chose élémentaire, mais peut-être juste pour un voyage. D'accord? Donc, cette méthode, elle ne va pas favoriser celui qui économise. Celui qui économise va payer plus de zakat que celui qui dépense. On peut s'arrêter là, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Mais, Cheikh Qardaoui a vu les choses autrement, et il donne une fatwa très particulière par rapport au salaire. Il dit que le salaire, c'est... dans la catégorie de Al-Mal al-Mustafad. Cette fatwa, elle existe dans son livre, le fameux livre Fiqh al-Zakat, c'est sa thèse de doctorat, un très très bon livre qui regroupe vraiment tous les... Donc c'est un grand livre, et lui, avec d'autres savants, mais c'est un avis minoritaire, on va dire, aujourd'hui. Donc il dit que Zakat, sur l'argent que tu reçois, ton salaire, tu dois le donner immédiatement. Dès que tu reçois ton salaire, tu enlèves les besoins élémentaires et tu donnes 2,5% de ce qu'il te reste. Par exemple, je vous donne un exemple.
j'ai 2000 euros de salaire. Je vis moyennement, j'enlève le loyer, les courses, l'essence pour la voiture, la voiture, les dépenses pour la voiture. J'enlève les habits, j'enlève les soins, les choses élémentaires. En moyenne, combien il me reste de 2000 euros de salaire? Il me reste 500 euros. Mashiach Karbaou, il dit, immédiatement, chaque mois, tu dois donner 2,5% de 500 euros. Parce que cet argent que tu reçois en salaire, il le considère comme une autre, il lui donne une autre configuration. C'est pas uniquement la part que tu gardes. L'argent, dès que tu le reçois, tu dois le purifier. Et c'est un avis très pertinent. Moi, je le conseille. Je le conseille parce que c'est un avis qui va te permettre de mensualiser ou même d'annualiser. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que chaque mois, tu dis, voilà, pour être juste soi-même aussi, parce que si je dépense cet argent-là, au moins j'aurai donné la part des pauvres. Même si je vais faire un petit resto, quoi. Donc j'ai déjà, sur les 500 euros, ce que j'ai dépensé en dehors des besoins élémentaires, j'ai déjà donné sa zakat. Donc vous avez cette méthode qui consiste à donner mensuellement, ou Cheikh Al-Rao il dit aussi, tu peux l'annualiser, soit mensualiser, soit annualiser. Chaque mois, tu dis, ce que je dépense en plus, c'est 500 euros, ce que je garde, surplus, je donne 5%. Je donne 2,5% de 500 euros. Et vous pouvez prendre un orphelin en charge, vous pouvez faire quelque chose comme ça mensuel, mais vous avez l'intention de donner la zakat. Mais après, cette méthode ne vous dispense pas si vous avez mis de l'argent de côté. D'accord ? Ça, c'est-à-dire que cette méthode doit être combinée à la méthode que je viens de vous expliquer pour que vous payiez la zakat. On s'arrête. Oui. Pour que vous puissiez payer la zakat, cette méthode, par exemple, vous avez épargné de l'argent. Vous avez épargné de l'argent. Mais l'argent que vous avez épargné, vous avez déjà payé sur une partie, mais il va rester un an, deux ans, trois ans. Ben, cet argent, vous devez payer la zakat dessus. D'accord ? Donc, pour vous simplifier, je sais que je vous ai perturbé là. Donc, vous avez deux choses à faire. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, la première méthode, celle que je viens de vous expliquer, elle est valable toute seule. Vous pouvez dire, moi je ne prends pas la méthode de la fatwa de Qardaoui, je ne la considère pas, je prends annuellement. Mais si vous voulez être plus juste, appliquez les deux. La première, elle est valable tout le temps. C'est-à-dire, chaque année, tu as une date et tu donnes ta zakat. Ça, c'est très... Si tu dépasses le nissab. La deuxième, c'est de dire, chaque mois, si je donne l'argent de côté, sur l'argent que j'ai mis de côté ce mois-ci, je donne 2,5%. Ça ne va pas vous faire des sommes, beaucoup de sommes, parce que vous allez, sauf si vous avez un très très gros salaire, mais même si vous épargnez 10 000 euros, si vous épargnez 10 000 euros par mois, il faut avoir un bon salaire là, vous allez mettre de côté, vous allez donner la zakat combien? 250 euros. Donc c'est pas énorme, donc, alhamdoulilah, c'est proportionnel. L'islam ne nous demande pas, c'est proportionnel. Voilà, je vous conseille d'appliquer cette méthode. Là, les ayants droit, je crois que ça serait pour une autre conférence. Rapidement. Quelle heure il est? Ça dépend, oui. Cheikh Mohamed aussi. Oui, alors en fait. Oui, en fait, on a le plaisir d'accueillir aussi Cheikh Mohamed Minta, qui participe à un projet Zakat à Décines. Et alors, je ne sais pas ce qu'on fait une pause maintenant. Voilà, donc je pense qu'on va faire une petite pause de quelques minutes. Après, peut-être, Abdallah Biwa nous présentera peut-être les ayants droit brièvement. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais. Et Cheikh Mohamed Minta nous présentera son projet Zakat. Non ? Pas de pause ? Pas de pause. D'accord. Ok, moi je vais donner la parole peut-être à. Moi je voudrais juste rapidement, je vous présente les ayants droit, mais je parlerai de l'organisation. Je crois que c'est très important, je crois que Cheikh Mohamed va en parler. Mais je vous donne une idée sur les ayants droit, parce que ça c'est très détaillé. Allah nous dit dans le Coran, les sadaqat, et là les sadaqat signifient la zakat obligatoire.
ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des esclaves, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse, l'enfant du chemin. C'est un décret d'Allah, c'est pour ça que là, on parle de la zakat, parce que c'est un décret d'Allah. C'est cet élément qui va nous dire que sadaqa ici, c'est la zakat. Et Allah est omniscient et sage, subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset nous parle de 8 catégories. 8 catégories, c'est ces personnes-là, ou c'est ces catégories de personnes à qui on a le droit de donner la zakat. D'abord, la première et la plus importante, c'est les pauvres et les indigents. Al-fuqara ou al-masakin. D'accord ? C'est, d'une manière générale, les nécessiteux. Mais vous avez deux types de nécessiteux. Vous avez des nécessiteux qui viennent demander, qui sont visiblement nécessiteux, et vous avez d'autres qui ont une fierté, et qui ne viendront pas demander. Mais, ils passent difficilement la fin du mois. Ceux-là, il ne faut pas les oublier. D'accord ? C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont pauvres, mais qui sont dignes, ils ont une dignité. Ils ne demandent pas, ils ne demandent jamais. Et vous avez des gens qui viennent demander. Il ne faut pas oublier ceux qui ont cette dignité, il faut aller les voir, il faut leur donner aussi. Donc c'est ça la différence entre les deux catégories. C'est pour ça qu'Allah nous parle de l'fuqara ou al-masakin. Après, vous avez ceux qui y travaillent. C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du calife, il y avait des fonctionnaires de l'État qui travaillaient pour collecter zakat. Ceux-là, leur salaire, même s'ils sont riches, même s'ils sont dans la suffisance, d'accord ? Mais son salaire, il peut le prendre de la zakat. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans une association humanitaire, dans une association qui gère la zakat ou qui collecte la zakat, il peut prendre son salaire de cette association ou de cette organisation, à condition, comme le dit le Conseil européen de la fatwa, de ne pas dépasser, les frais de fonctionnement ne doivent pas dépasser un huitième. Un huitième, c'est parce qu'il y a 8 catégories. D'accord ? Il y a des détails que j'ai écrits dans le document aussi. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, c'est la seule catégorie de non-musulmans à qui on peut donner la zakat. La zakat, c'est un devoir religieux. On doit la consacrer aux musulmans. La sadaqa, on peut la donner aux musulmans comme aux non-musulmans. D'accord ? Même sur ce point-là, il y a une divergence. Vous avez certains savants qui disent non, même la zakat, on peut la donner aux non-musulmans. Mais la majorité disent non, la zakat, c'est un devoir religieux qui doit rester au sein des musulmans, sauf dans un seul cas, c'est quelqu'un qu'on veut attirer vers la religion musulmane, à qui on veut expliquer l'islam, à qui on veut vraiment attirer vers l'islam, son cœur est à gagner à l'islam, cela, on peut leur donner de la zakat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. L'affranchissement des esclaves, l'islam a participé grandement à l'abolition de l'esclavage, et avec ces actions-là, donc l'affranchissement des esclaves, ceux qui sont lourdement endettés, quelqu'un qui a un salaire, il peut vivre avec son salaire, mais il a une dette qui l'écrase, celui-là on peut lui donner la zakat. Dans le sentier d'Allah, c'est une bouffée d'air en quelque sorte, donc on peut donner aux étudiants qui vont apprendre la religion, on peut donner aussi à ceux qui résistent contre l'occupation, on peut donner aux pèlerins, nourrir les pèlerins. Donc dans le sentier d'Allah, c'est assez ouvert. La majorité des savants disent qu'il s'est consacré notamment à propager le savoir et à al-jihad, d'accord ? Tout ce qui est résistance armée contre l'occupation. Et pour le voyageur en détresse, quelqu'un qui est en voyage et qui manque d'argent pendant son voyage. Aujourd'hui, c'est un peu difficile avec les cartes bleues et avec tout ça. Et j'insiste beaucoup, vous donnez la zakat à quelqu'un qui ne mérite pas la zakat, vous allez priver quelqu'un qui mérite. Donc, cherchez bien à qui donner la zakat. Et là, je passe directement à l'organisation de la zakat en France. Aujourd'hui, on a un vrai problème. Parce que la majeure partie de la zakat et des sadaqat partent à l'étranger. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est très très bien de partager, c'est bien d'aider nos frères ailleurs, mais les musulmans de France doivent penser aussi à l'avenir de l'islam ici. D'accord ? On a une responsabilité, on a des devoirs, et il vaut mieux que nous commençons par nos propres devoirs vis-à-vis de nous-mêmes pour qu'on puisse
être tout le temps là pour aider nos frères à l'extérieur. Si les musulmans de France restent faibles et que tout l'argent de la zakat, il faut savoir, c'est énormément d'argent. On est 5 millions de musulmans. Hein, c'est quelque chose qui peut aider énormément les musulmans. Je peux vous assurer que si l'argent de la zakat est bien géré par les musulmans et qu'on le gère correctement, il peut gérer l'islam de A à Z. On n'aura besoin de ni le Qatar, ni l'Arabie Saoudite, ni le Maroc, ni l'Algérie. On aura notre autosuffisance. On gérera nos imams, on payera nos imams, on payera nos collèges, on payera nos mosquées, on payera tout avec juste l'argent de la zakat. Ça représente quelque chose comme 200-300 millions d'euros par an. Zakat al-Fitr uniquement, zakat al-Fitr 5 euros par musulman. Ça représente énormément d'argent. Notre problème aujourd'hui, ici en France, que c'est pas organisé. Chacun, il donne là où il veut. Chacun, il fait au mieux. Et donc, cette organisation manque. Et on a le transfert de la zakat. On donne la zakat, mais on croit que les seuls qui méritent la zakat, c'est nos frères qui sont opprimés ailleurs. On peut leur consacrer une part de la zakat. C'est important. Mais si nous-mêmes, on ne prend pas soin de notre avenir, arrivera un moment où on ne pourra même pas donner à nos frères ailleurs. Mais si nous sommes organisés et que cet argent de la zakat nous sert à s'organiser, à faire fructifier nos projets, à éduquer nos enfants, à former nos jeunes, cet argent, il aura servi à une très très bonne chose. Et il nous servira aussi à avoir une communauté forte, si je peux dire comme ça, qui va aider à long terme les gens ailleurs et établir la justice sur terre, Inch'Allah, parce que l'argent, c'est important pour eux. C'est le nerf de la paix comme le nerf de la guerre. Barakallahu fikoum, assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, oui. Donc, Inch'Allah, on va laisser la parole à Cheikh Mohamed Mita, ça fait une très bonne transition. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinina wa waffiqna lil 'amali bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna al ikhlasa fil qawli wal 'amali bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Cheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. D'abord, je tiens à remercier Cheikh Abdallah de cette intervention vraiment très riche, très claire. Et aussi, je remercie les frères. Les sœurs aussi. Les sœurs aussi. Bon, quand je dis les frères et sœurs, donc, qui sont à la base de cette organisation. Comme Cheikh Abdallah vient de dire, en fait, moi, j'aimerais commencer par une petite introduction. C'était petit que toutes les prescriptions que Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre intérêt. Dans la vie d'ici-bas, avant l'au-delà, il n'y a aucune prescription en islam qui ne vise pas l'intérêt de l'être humain, l'intérêt de l'homme. Donc, en réalité, quand vous regardez zakat, Allah nous a prescrit zakat pour notre intérêt, pour notre bien-être, pour notre bonheur. Très souvent, moi, quand j'ai enseigné zakat, chaque fois que j'ai enseigné zakat, j'avais ces sentiments de remords, de regrets, qu'un moyen, un outil, un bienfait qui nous est accordé par Allah pour notre intérêt, mais malheureusement qui est mal pratiqué aujourd'hui dans le monde. Comme Cheikh Abdallah vient de dire exactement, si zakat est bien géré, est bien pratiqué comme Allah le veut, Wallah, on n'aura besoin de personne. On n'aura besoin de personne. Et c'est zakat, ça suffirait totalement, ça couvrirait tous nos besoins. Cheikh Sha'rawi, rahimahullah, il disait, toutefois que vous verrez un pauvre qui mendie par nécessité, il faut se rendre compte qu'il y a une zakat est négligée quelque part. Zakat est négligée quelque part. À cause, voilà, qui n'a pas payé ou bien qui a mal payé son zakat. Sinon, si les riches payent zakat correctement, il n'y aura pas de pauvres qui seront dans le besoin de mendier. Allah
a révélé un hadith. Allah s'adresse au Moïse, alayhi salam, dans un hadith Qudsi, dans lequel il dit « Ô Moïse, je n'ai pas renvoyé les pauvres vers les riches à cause de l'insuffisance de mes trésors. » Ce n'est pas parce que les trésors d'Allah ne suffisent pas pour tout le monde qu'il a orienté les pauvres vers les riches. Il dit « Mais j'ai prescrit pour les pauvres un droit dans le bien des riches pour les éprouver. » Pour voir comment ils vont se hâter de s'acquitter de ses devoirs. Bon, je ne vais pas faire une autre conférence. Bref, en fait, comme Hafid vous disait, j'ai constaté depuis fort longtemps qu'en France et partout aussi dans le monde musulman, à part quelques exceptions, zakat est mal géré et mal pratiqué. Donc nous avons eu la volonté de dire pourquoi pas faire quelque chose en France pour institutionnaliser zakat, créer une institution qui va collecter et redistribuer zakat. Quand vous regardez les ayants droit des zakat qui sont cités dans le verset 60 de Sourate At-Tawba, il y a 8 catégories. Quand vous analysez, vous allez voir que ces 8 catégories, il y en a certains, leurs besoins est ponctuel et temporaire. Par exemple, quand vous regardez le voyageur en détresse, c'est ponctuel, quelqu'un qui se trouve ponctuellement dans une situation de besoin et on lui donne le besoin est comblé. Ou bien aussi comme l'affranchissement du joug, une personne qui se trouve privée de sa liberté, on l'aide pour retrouver sa liberté. Aussi, c'est ponctuel. Et aussi, l'endetté. Une personne qui est endettée, aussi, c'est à partir du moment où on l'a aidé de payer ses dettes, c'est fini. Comment il n'est plus dans le besoin. Donc, mais par contre, vous allez voir que toujours dans la société, il y aura des pauvres, des nécessités. Des gens qui sont dans l'indigence, qui sont dans... Ils n'ont pas la suffisance. Donc, il y aura toujours cette partie que Allah, il appelle fils Abilillah et dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah, c'est tout ce qui va dans l'intérêt général de la communauté. Tout ce qui est dans l'intérêt général de la communauté, c'est fils Abilillah. Donc, il y aura toujours des besoins dans ce domaine. Donc, aussi... Donc, des gens, quand on dit qu'il faut institutionnaliser, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont là, qui travaillent pour la collecte, pour la redistribution. Donc, des gens ne peuvent pas éternellement travailler bénévolement, donc il faut leur donner leur salaire. Donc, quand vous regardez les deux catégories prioritaires qui sont les pauvres et les nécessités, ces gens, on peut trouver deux catégories parmi les pauvres et les nécessités. Des gens qu'ils sont dans la pauvreté, dans la nécessité, parce qu'ils ne sont plus en mesure de produire, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Soit pour un âge de vieillesse, ils ont un âge de vieillesse qui ne peut plus travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins, et ils n'ont personne pour les prendre en charge de leurs proches. Ou bien soit la personne a un certain handicap qui fait qu'elle ne peut pas travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. En islam, des gens qui sont dans cet état, ils doivent être pris en charge. Ils ne doivent pas être dans la nécessité. S'ils sont dans la nécessité, la communauté n'a pas assumé son devoir vis-à-vis de ces gens. Donc, on doit leur assurer la suffisance. Donc, ces gens. Mais par contre, on trouve deuxième catégorie parmi les nécessités et les besoins. C'est des gens qui sont en mesure de produire, qui sont en mesure de travailler pour subvenir à leurs besoins. Mais il leur manque de moyens. Quelqu'un qui a fait des études de commerce, qui peut créer une entreprise, qui peut produire, mais il n'a pas le moyen. Ou un artisan qui a un métier, un plombier, un électricien, ou je ne sais pas quoi, qui aussi a besoin des outils, des matériels, un atelier, mais qui n'a pas le moyen. Mais ces gens-là, on leur donne le moyen suffisant pour qu'ils puissent se mettre à produire. Et si on les aide, on les donne quoi produire, au lieu d'attendre chaque année la date pour pouvoir recevoir les zakat, peut-être eux-mêmes ils vont donner zakat. Donc en réalité, zakat, c'est un moyen de lutter contre la pauvreté, un moyen de lutter contre le chômage, un moyen de subvenir aux besoins de la communauté, de la société d'une manière générale. Donc ainsi, mais pour qu'on puisse arriver à là, ça on n'arrivera jamais si chacun de son côté
chaque année ou bien chaque mois, au moment où il doit payer zakat, il calcule ses zakat. J'ai 250 euros, j'ai 300 euros, j'ai 1000 euros de zakat. Je donne 100 euros à un tel, je donne 50 euros à un tel, je donne 20 euros à un tel. Certes, la personne qui va recevoir 100 euros, 50 euros, 200 euros, peut-être le jour J, ça lui permet de faire ses courses, mais le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Ça ne change rien dans sa situation. Donc, d'où il est indispensable d'organiser zakat comme c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Cheikh Abdallah vient de dire, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a engagé des gens qui allaient collecter zakat pour redistribuer, ainsi aussi après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses successeurs. Ils ont fonctionné ainsi. Et les dynasties, ils ont fonctionné ainsi. L'histoire a retenu qu'à l'époque des Umayyades, notamment à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, quand l'État musulman collectait zakat, ils ont tellement il était juste, équitable, bien réparti, on cherchait à qui donner zakat, on ne trouvait pas. Il n'y avait plus de besoin, il n'y avait plus de nécessité. On ne trouvait pas. Donc, aujourd'hui, en France, ici, le musulman, on a beaucoup de besoins. Il y a des gens, comme Cheikh Abdallah disait, oui, ici en France, il y a des aides sociaux, il n'y a pas de pauvres ici. C'est totalement faux. C'est totalement faux de dire qu'il n'y a pas de pauvres ici, il n'y a pas de nécessité ici. Si, il y a des gens qui sont dans la nécessité, dans la pauvreté, qu'on ne pouvait, on peut pas imaginer ici. Donc, nous avons décidé en 2011, après un voyage en Guinée, et c'est avec le frère Imad Arthur, qui est l'intendant de l'Kendi, on avait participé à une formation sur Zakat, puisque l'État guinéen avait décidé d'institutionnaliser Zakat. Donc on avait participé à une formation. Au retour de cette formation, on a décidé, nous aussi ici à Lyon, de créer un fonds de dotation pour la collecte et la redistribution des Zakat, donc depuis le mois de juillet 2011. Donc alhamdoulilah, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Nous essayons de mieux qu'on peut à collecter, pour redistribuer, pour arriver, inshallah, notre ambition de dire des ayants droit arrivent à l'autonomie, qui ne sont plus dans le besoin. Nous, quand on suit les familles ou les individus qui sont dans le besoin, qui viennent nous solliciter, c'est pas on leur donne une fois ou deux fois, c'est fini. Non, on les suit jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'autonomie. Donc, on les aide sur tous les plans. Par exemple, si des personnes qui ont certains droits, mais qui ne savent pas faire les démarches nécessaires pour avoir ces droits, on les aide sur ce plan. Des gens qui sont dans la recherche de travail, qui peuvent travailler, on essaie de les aider. Vraiment, on essaie de faire en sorte que Zakat soit un levier pour aider les ayants droit à arriver à l'autonomie. Par contre, des gens qui sont dans le besoin car ils ne peuvent plus produire, qui soient pris en charge totalement, qui ne sont pas dans le besoin, dans la nécessité. Donc, brièvement, pour ne pas trop prendre de votre temps, ces fonds de dotation de Zakat existent donc, depuis 2011. Qui était domicilié à la mosquée de Dessine, 9 rue Sully, bon, et toujours c'est notre adresse, 9 rue Sully, même si la mosquée n'est rien, mais qu'on a fait, des suivis de courrier, donc ça nous arrive toujours. Nous avons besoin des bénévoles, des frères et sœurs, qui ont un peu de temps, de donner Zakat de leur temps. Zakat, ce n'est pas seulement l'or et l'argent, même le temps aussi, notre temps. On peut donner zakat de son temps, on peut donner zakat de ses compétences, et les compétences et les habiletés qu'on a. Donc, on a besoin des zakat de vos biens, et aussi on a besoin des zakat de vos intelligences, de vos efforts, et aussi de vos temps. Barakallahu fikoum. Donc, si vous avez des questions, Inch'Allah, on enrichira à travers les questions et les réponses, Inch'Allah. Est-ce qu'au niveau national, il y a des choses qui se font Bon, au niveau national, nous, on a dit, on commence d'abord localement, après on a une ambition d'arriver au niveau national, mais pour le moment, on est restreint. Bon, quand même pour dire, on a des zakat quand même qui nous arrivent à peu près de partout. Oui, oui. Parce que dans les plans, peut-être, tu ne vas pas rencontrer d'autres imams, d'autres ailleurs, par exemple, à Paris, ou essayer de... Réellement, j'ai l'intention... Bon, moi, je voulais surtout
travaille localement. Parce que l'année dernière, j'ai essayé d'inviter notamment les imams à Lyon, aux alentours de Lyon. J'ai eu deux rencontres avec certains imams. Donc, non seulement pour parler de Zakat, mais d'une manière générale, qu'il puisse y avoir des concertations, des échanges, des coordonnations de nos activités. Bon, ça trébuche encore quand même. Donc, il y a cette volonté. L'année dernière, on a eu deux rencontres. Bon, cette année, on devrait se rencontrer en mois de septembre. Le mois de septembre, moi, je n'étais pas là, j'étais au Mali. Donc, la rencontre n'a pas eu lieu. Et j'ai eu du mal par la suite à fixer, à organiser. Mais, Inch'Allah, il y a l'intention, il y a là, il est là. Voilà. Bon, je sais aussi qu'il y a l'OIF aussi qui avait créé. Aussi, ça existe, un fonds, bon, quelque sorte. Une institution pour la collecte de zakat, mais je pense ça, voilà, il n'y a pas de moyens, voilà, ça, voilà. Donc, s'il y a des questions, aussi bien pour l'imam Abdallah qui va bientôt partir, ou pour Cheikh Minta, ça va. Salam alaikum. Donner zakat aux mosquées en Occident, est-ce que c'est considéré dans le sentier d'Allah? Vous avez des savants qui considèrent le fait de construire une mosquée, ça fait partie de la zakat, et c'est une possibilité. Même la gestion quotidienne des mosquées, même ça fait partie de la gestion, oui, même la gestion quotidienne de la mosquée, on peut l'intégrer dans le sentier d'Allah. Mais sincèrement, ce n'est pas la majorité qui dit ça. Et comme je vous ai montré tout à l'heure le schéma, j'aime bien ce schéma-là, attends, je vais vous remontrer. Vous voyez là? Ce schéma-là, moi, il me plaît parce que vous voyez qu'est-ce qui nous reste quand on donne la zakat, c'est une petite partie. Et moi, je considère qu'en tant que musulman, je profite de la mosquée. Normalement, on n'a pas le droit de profiter de l'argent de sa propre zakat. C'est pour ça que la zakat et les impôts, c'est deux choses complètement différentes. Si je donne à la mosquée, l'eau de la mosquée, la place de la mosquée, la lumière de la mosquée, moi aussi j'en profite. Donc il vaut mieux éviter de profiter de sa propre zakat, directement ou indirectement. Je ne vous dis pas que c'est interdit. Si vous avez donné à la mosquée, ne redonnez plus, c'est bon, votre zakat, Inch'Allah, elle est acceptée, il n'y a pas de problème. Mais dans l'avenir, je considère que les 250 euros ici, c'est le droit du pauvre. Vous pouvez ici prendre 700 euros, 700, ou acheter un mètre carré pour la mosquée de Dissine, par exemple. Voilà, pas de publicité. Donc votre argent qui vous reste, je considère que c'est mieux, et c'est là, au moins sortir de ce doute-là. Alors qu'une école, c'est pas pareil. La mosquée, c'est pas pareil qu'une école. Une école, c'est encore plus dans le sentier d'Allah que... Allah wa'ala. Bon, en fait, comme Cheikh Abdallah vient de dire, c'est vrai, la majorité des savants, notamment les anciens, ils disaient que les mosquées ne rentrent pas dans le fils abilillah. Mais aujourd'hui, il y a certains savants qui disent qu'on rentre fils abilillah. C'est vrai, fils abilillah, quand vous regardez la définition de fils abilillah, moi, la définition que je retiens est que tout ce qui va dans l'intérêt général de la communauté est fils abilillah. Donc, dans ce sens, oui, la mosquée fait partie du fils abilillah. Donc, mais la mosquée n'est pas prioritaire par rapport aux zakat. Les priorités par rapport aux zakat, c'est surtout les pauvres et les nécessités. Et cependant, si on donne zakat, pour moi, Wallah alam, on donne zakat, c'est tout à fait valable pour la mosquée. C'est tout à fait valable pour la mosquée. Voilà. Voilà, d'autres questions? Salam alaikum. Moi, je pose la question, c'est une sœur qui n'a pas pu venir ici, qui me demande de vous la poser. Voilà, en fait, il y a à peu près 10 ans de ça, jusqu'à aujourd'hui, elle devait les zakat. Et vous savez, c'est un peu comme la prière, on sait qu'il faut prier, mais on ne prie pas. Elle savait plus ou moins qu'il fallait donner zakat, mais elle n'a pas donné. Aujourd'hui, elle est consciente qu'il faut la donner, elle m'a dit, je vais commencer à donner la zakat de l'an dernier, puis celle de cette année, mais elle me demande, enfin elle vous demande si elle doit donner, voilà, payer la zakat des 8 années précédentes.
Oui, elle doit donner. La zakat reste un droit. Même si c'est 30 ans, elle doit donner 30 ans de zakat. La zakat, droit du pauvre. Donc, elle doit faire un calcul. Elle doit faire un calcul approximatif en majorant un peu. C'est-à-dire qu'elle doit se dire en 2000, j'ai pas donné ma zakat. J'avais comme salaire 1500 euros. J'avais comme facture, loyer. D'accord ? Elle doit faire un calcul approximatif si, si c'est juste une salariée. Hein, si. Et, mais si elle savait, par exemple, elle sait qu'elle avait de l'argent, elle avait 100 000 euros sur son compte, et elle sait qu'elle avait 100 000 euros, donc dans ce cas-là, c'est sur ces 100 000 euros qu'elle doit donner. D'accord ? Et si aujourd'hui, elle n'a plus d'argent, ben, la zakat reste un devoir. Elle, elle doit essayer de mensualiser, ne serait-ce, et elle donne petit à petit. Si elle meurt avant de rembourser, c'est, Allah lui pardonne le reste. Ici, si elle a remboursé, elle a remboursé. Contrairement à la salade, d'accord, que voilà, il y a des savants qui disent qu'il faut rattraper d'autres, la zakat reste un droit parce que c'est un droit commun. C'est Allah qui te le demande, mais c'est le droit des pauvres. Juste pour rajouter, c'est vrai que Cheikh Abdallah, ce qu'il dit, zakat, ce n'est pas seulement un devoir qu'on a vis-à-vis d'Allah, mais c'est un devoir qu'on a aussi vis-à-vis de nos semblables. Chez les savants musulmans, il dit Hukukullah mabniyun ala al-musamaha. Les devoirs qu'on a envers Allah, c'est basé sur la tolérance, le pardon. Mais Hukukul ibad mabniyun ala al-mushaha. Donc le droit qu'on a envers nos semblables, c'est toujours on réclame. Donc ainsi, pour Salat, c'est vrai, il y a certains savants qui disent si on a des années de prière, on doit rattraper. Mais moi, je suis plutôt de l'avis et Ibn Hazm, Cheikh l'Islam, et son élève qui dit, en fait, si une personne qui a délaissé salat des mois ou des années, délibérément, sans aucune raison valable, on ne pourra jamais, on ne pourra aucun cas de rattraper. Mais plutôt, il suffit de faire un repentir sincère et d'être assidu à la prière désormais et de ne plus négliger de faire beaucoup plus de prières sur l'oratoire. Wallahu a'lam. Et pour ça, le site 24H Gold, il va vous aider parce qu'il va vous donner le prix de l'or chaque année, hein, depuis l'historique depuis 10 ans. C'est pour ça que j'aime bien ce site. Si vous avez un commerce, n'importe quel commerce, voiture ou bonbons ou n'importe quel commerce, c'est une fois par an, c'est comme je viens de le... D'accord ? C'est une fois par an que vous payez votre zakat. Et quand vous allez payer votre zakat, vous allez calculer à la fois la marchandise exposée à la vente, les voitures qui sont exposées à la vente, que vous pouvez vendre demain ou après-demain, d'accord ? Et vous allez calculer aussi l'argent que vous avez sur les caisses. Vous faites un calcul de l'argent que vous avez et de la marchandise que vous avez. Et là, vous donnez sur cette somme-là que vous allez trouver. L'assiette de la zakat, c'est la somme d'argent de la marchandise, la valeur de la marchandise. Comment on la calcule à votre avis? Est-ce que c'est le prix d'achat ou le prix de vente? C'est là ma question. Hein? Prix d'achat. Prix d'achat. Il y a une divergence aussi. Voilà. Si, normalement, c'est le prix de vente. Si on veut, dans l'intérêt du pauvre, c'est le prix de vente. Et dans l'intérêt du riche, c'est le prix d'achat. Ben, les savants, et ça, je crois que c'est très, très... c'est une fatwa qui a été donnée, c'est le prix de vente immédiatement en gros. C'est la meilleure méthode. C'est-à-dire que tu te dis, si j'ai 10 voitures, si je les vends maintenant en gros à quelqu'un, un commerçant comme moi, combien je vais lui vendre? D'accord? Et c'est cette somme-là que tu dois prendre en considération pour calculer la zakat. Calculer une moyenne, c'est ça? Voilà. Non, le prix. Le prix de vente par en gros, immédiatement. Et non en détail. Non, en gros. En gros. Parce qu'au détail, ça revient à dire il y a le risque. Ça revient à dire à peu près le prix d'achat. Quoi. Parce que généralement, la personne achète en gros. Oui, sauf si elle a fait une bonne occasion. Si elle s'est achetée, elle a fait une bonne occasion, c'est pas forcément le prix d'achat. La même marche, c'est pas pareil. C'est la même marche. Je pense qu'il y avait une deuxième question. Oui. Voilà. Une question concernant une amie, elle me l'a demandé.
Est-ce que, par exemple, dans un couple, si la femme ne travaille pas, qui doit donner la zakat à sa place? Bon, en fait, Cheikh Abdallah, il nous a expliqué les conditions pour qu'on soit imposable des zakats. Donc, il faut avoir des biens et que ce bien atteint le seuil de nisab et que ce bien soit en notre possession pour un haoul qui est une année lunaire. Donc, si dans un couple, la femme elle ne travaille pas, elle n'a pas de revenus, donc dans ce cas, elle n'est pas imposable. Hein? Sauf si elle a hérité des biens. Si elle a hérité des biens de ses parents, ou bien elle a eu un don, elle a un bien qui atteint le seuil des zakat, elle sera imposable dessus. Donc sinon, à l'absolu, si elle n'a pas de revenus, elle n'a pas de biens, elle n'est pas imposable. Donc dans ce cas, si son mari qui travaille, qui a de revenus, et que les conditions d'imposition de zakat, il remplit les conditions, donc il doit payer. Mais par contre, si la femme, elle a de revenus, elle travaille, ou bien elle a de biens, elle était commerçante, ou bien elle a de biens qu'elle a hérité, que ses biens atteignent le seuil des zakat, et que son mari aussi a de revenus qui atteint le seuil des zakat, dans ce cas, les deux sont imposables. Chacun doit s'acquitter des zakat de ses biens. J'avais deux questions concernant le nisab argent, en fait, l'argent métal. Est-ce qu'il y a des pays éventuellement où cela est appliqué, le nisab argent métal? À ma connaissance, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un pays qui considère zakat à partir de le seuil de nisab de l'argent? L'argent. Bon, comme Cheikh Abdallah il a expliqué, c'est vrai. Il y a certains savants qui disent plutôt qu'il faut tenir compte du seuil de l'argent pour l'intérêt des ayants droit des zakat. Ils disent que c'est beaucoup plus intéressant qu'on tient compte de l'argent. Ils disent comme ça, il y aura un maximum de gens qui seront imposables des zakat. Tandis que d'autres qui disent non, plutôt l'or qui est beaucoup plus stable. Et puis aussi l'islam impose des zakat à une personne qui est considérée comme riche. Aujourd'hui, quelqu'un qui a l'équivalent de la valeur des 595 grammes d'argent, c'est pas quelqu'un de riche. Donc ils disent que plutôt il faut aujourd'hui le fait qu'il y a une grande différence entre la valeur de l'or et la valeur de l'argent, qu'il faut plutôt tenir compte de l'or, donc qui est la tendance majoritaire aujourd'hui. Mais Wallah Alam, vous demandez s'il y a un pays qui tient compte de l'argent, j'en connais pas. L'île de la Réunion, les îles Patel, ils représentent toujours le... D'accord. La deuxième question, c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahabes, est-ce qu'une personne qui avait 85 grammes d'or et un autre musulman qui avait 595 grammes d'argent métal, est-ce qu'ils avaient tous les deux le même pouvoir d'achat? Tout à fait, oui. C'est de ce fait qu'ils sont imposables. Oui, ils avaient tout à fait le même puissier. En fait, en réalité, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 200 dirhams était équivalent de le 20 mithral ou bien 20 dinars. C'était pareil, avait la même valeur. Vous pouvez acheter 20 moutons avec les deux. Ouais. Qu'en est-il alors d'une personne qui dispose de ça physiquement, l'argent métal, et qui estime que s'il le calcule, il trouve qu'il va payer moins, est-ce qu'il a le droit de payer plus? S'il aligne en fait sur l'or, vous voyez, s'il fait l'équivalence. Non, en fait, une personne, il faut savoir maintenant, quand il s'agit de métal, une personne qui a l'argent, si l'argent, il a l'équivalent des 595 grammes, on dit il est imposable. Il est imposable, il doit payer sa quête. Et il va le payer en calculant le taux, la valeur le cours de l'argent? Oui, bien sûr. Hein. Où peut-il prendre le cours de l'or? Non, le cours de l'argent. C'est là où il y a... Non, bon, puis c'est le cours, si on dit qu'il estime par rapport au cours de l'or, bien sûr, il ne sera pas imposable. Voilà, c'est-à-dire, s'il va dire, imaginons quelqu'un qui a, je ne sais pas, 600 grammes d'argent. Qui dit 600 grammes d'argent, je vais regarder combien ça fait en euros.
il va calculer, il va trouver que 600 grammes, comment dirais-je, 600 grammes d'argent, que ça fait 500 euros ou 500 euros. Il va dire, ben, 500 euros, ça n'atteint pas Nissab, donc je ne paye pas Zakat. Non. Non, puisqu'il a, comment dirais-je, quoi, il a comment dire, c'est le métal, il a le métal qui dépasse les seuils imposés par rapport à ce métal, il paye par rapport à Zakat, Zakat de ce métal. Donc, c'est-à-dire qu'il doit donner, comme il dit, un 1/40 de la valeur de ce qu'il possède. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il fait avec 600 grammes d'argent? Pourquoi les garder? Parce que dans des pays comme l'Indonésie, Malaisie, par exemple, ils ont un mouvement qu'on appelle le dinar, je ne sais pas si vous en avez parlé. Non. En fait, il y a des endroits où les gens ils achètent en pièces d'or et en pièces d'argent. Oui. Et ils payent aussi leurs zakats avec ça. Ah oui, d'accord. C'est une monnaie alternative. C'est World Islamic Mint, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, il y a un monsieur qui s'appelle Omar Vadillo, c'est un économiste, un musulman reconverti espagnol. Il a lancé cette institution qui frappe des pièces et il paye leurs zakat avec ça. D'accord. Ben, s'il a, l'équivalent de 200 dirhams d'argent, voilà, donc il doit payer les zakat. Et si argent. Cette personne vient payer en pièces, vous allez faire comment, vous? Eh bien, je viens le revendre. Je le revends. Non, mais on va lui dire de les donner là-bas sur place. On n'en a pas besoin ici. Des pièces qui comportent une image, en fait, humaine. Et pour un musulman, est-ce que c'est permissible de le détenir? Ben, en fait, il faut savoir le fait d'avoir l'image. Quelle est l'image qui est interdite par l'islam? Et c'est l'image qui est interdite par l'islam, c'est vrai. Si sur une pièce il y a des images, bien sûr ça rentre dans une catégorie, puisque c'est comme un dessin. C'est comme un dessin, donc ça rentre parmi ce qui est interdit, mais on ne va pas dire à la personne qu'il fallait jeter comme cet argent ou bien non. Comme on dirait, si c'est par exemple aujourd'hui, les monnaies qu'on a dans les pays, souvent, très souvent, il y a des images dessus. Donc c'est pas pour autant une raison de dire ben, il faut le brûler, il faut le jeter. Ouais. Même dans les pays musulmans. Voilà, exactement, c'est ça que je vais dire. Même dans les pays musulmans, les monnaies, il y a des images dessus. Ouais. Ça dépend de quelle sorte d'image en fait. Si c'est des motifs, par exemple des instruments, tout ça, ça passe. Non, bon, normalement, il vaut mieux d'éviter. Par exemple, si un musulman est à la tête de la banque centrale de ces pays musulmans, s'il y a un musulman. Un musulman qui a des connaissances, qui est convaincu de l'islam, je ne pense pas qu'il va faire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, qui fait que bon, les gens ne se posent même pas de questions, est-ce que c'est permis ou ce n'est pas permis. Voilà, barakallahu fikoum pour votre présence, d'avoir répondu présent à vous aussi également. C'est vrai que voilà, on était censé finir à 20h30, mais comme je l'ai dit, on a appris beaucoup de choses. Donc juste avant de faire la dorade clôture, voilà. C'était juste une remarque également hein, sur tout ce qui a été dit. Donc vous avez vu cette histoire de Nissab, de montant minimum. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui nous pousse à consommer toujours plus. On nous crée des besoins inutiles. Voilà, on change de portable tous les mois, on s'habille. Et vraiment, cette situation-là, hein, comme il le disait à l'époque, la zakat, ça permettait de subvenir à beaucoup de besoins. Et maintenant, ben, peut-être que si on paye un peu moins de zakat, c'est qu'il nous reste peut-être moins d'argent dans le compte, et c'est que peut-être on n'utilise pas cet argent comme il le faudrait. Et puis c'est vrai qu'on est tous pris dans ce tourbillon. Donc vraiment, on vous incite à ne pas hésiter à venir vous inscrire à nos modules de formation qui vont arriver. On en a un sur la prière qui va bientôt arriver, donc un sur la mort, comme je vous disais, un sur le monde de l'invisible. Par rapport au Rokia, on sait qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi par rapport à ça. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.